Question orale. Et nous allons commencer avec la première question orale, qui est une question de Madame Grosvenus à propos de l'arrestation de manifestants en Tunisie. Madame Grosvenus, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, Monsieur le Président. Eh bien, nous vous entendons très bien aussi, donc vous pouvez poser votre question. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Président, chers collègues, il y a un peu plus de 10 ans, la Tunisie a été le point de départ du printemps arabe qui, telle une traînée de poudre, s'est ensuite propagée dans la région. L'espoir suscité à l'époque fut immense, mais malheureusement, depuis le 15 janvier, des tensions s'accentuent en Tunisie, laissant craindre le pire. Des jeunes des quartiers populaires et forces de l'ordre s'affrontent chaque soir. Et ces violences, malheureusement, signent l'échec politique et socio-économique des espoirs suscités par cette révolution du printemps arabe. Alors, le 21 janvier, c'est la date que j'ai notée pour cette question, mais il y a eu bien d'autres articles par la suite. La presse a rapporté que les forces de sécurité avaient arrêté environ 1 millier de personnes lors des manifestations, et selon un décompte des ONG qui déplorait par ailleurs un usage excessif de la force. Ces heurts opposent dans différentes localités du pays jeunes de quartiers populaires à la police, dans un contexte de forte tension sociale, alors que la pandémie a détruit des milliers d'emplois et profondément perturbé le fonctionnement des établissements scolaires. Vous avez déjà été interrogé sur la Tunisie et vous indiquiez à mes collègues lors d'une précédente commission, je vous cite, « La jeunesse tunisienne semble aujourd'hui totalement en crise et les promesses du printemps arabe semblent s'éloigner à la lecture de l'actualité. » Alors, le sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, se tiendra précisément cette année à Djerba. L'occasion d'inscrire notre action dans un soutien à la démocratie et l'apport de solutions pour la jeunesse et l'ensemble de la société tunisienne. Monsieur le ministre président, je souhaiterais dès lors vous poser les questions suivantes. Pouvez-vous nous faire le point sur la situation en Tunisie à la suite des manifestations et surtout des arrestations qui se sont produites ces derniers jours? Et quelles vont être les positions et actions tant de la Belgique, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'OIF suite à ces derniers événements? D'avance, merci pour vos éléments de réponse. Merci, Madame Grosvenus. Je vais céder la parole à Monsieur le Ministre Président pour la réponse. Merci, Madame la députée. J'ai déjà eu l'occasion, dans mes interventions antérieures au sujet de la Tunisie, de souligner que tous les défis que rencontre ce pays aujourd'hui, tout d'abord un défi sanitaire, car contrairement à la première vague de l'hiver dernier, la deuxième vague frappe très durement le pays depuis le mois d'octobre, et la Tunisie vient en effet de franchir la barre des 200 000 personnes contaminées et déplore le décès de plus de 6 500 personnes. La Tunisie est ainsi le deuxième pays le plus affecté par cette crise sur le continent africain. Les effets de cette pandémie sur l'économie sont évidemment ravageurs. Nombre de secteurs sont durement frappés par le ralentissement économique et les mesures restrictives adoptées. On pense notamment au secteur du tourisme, qui avait aussi déjà été frappé par les attentats, le secteur de la culture, le secteur de l'horeca, des transports et de l'industrie manufacturière. À cela vient s'ajouter une crise sociale constante qui se voit aggravée dans ce contexte de perte d'activité et de perte de revenus. Les manifestations se sont en effet multipliées ces dernières semaines. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles reste donc attentif à l'évolution de la situation politique, économique et sociale en Tunisie, pays qui accueillera, comme vous le rappelez, les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba, le 18e sommet de la francophonie. Rappelons que ce sommet sera consacré au thème suivant, la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone.
un sujet qui est au cœur des enjeux de la francophonie et au cœur des préoccupations de la jeunesse francophone, et donc y compris tunisienne. Pour répondre à votre seconde question, je ne vous surprendrai pas en vous rappelant qu'il ne m'appartient pas de répondre au nom de la Belgique ou de l'OIF, mais bien pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est en ce sens que je peux vous confirmer que la Fédération Wallonie-Bruxelles est active en Tunisie. Actuellement, ce sont ainsi 4 projets qui sont en cours de mise en œuvre, cofinancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de 119 479 euros dans les secteurs de l'éducation, la formation, la paix, la justice et les droits humains. Ces projets sont menés afin de promouvoir un modèle de développement durable fondé sur les droits humains, de renforcer l'implication de la société dans la réforme de la justice et des institutions, et enfin de garantir l'accessibilité à l'éducation et à la formation de toutes et tous. Je vous remercie. Merci, Madame Grosvenu. C'est à vous pour votre réplique. Voilà. Je remercie évidemment Monsieur le Ministre Président pour ces éléments de réponse. Évidemment, il ne vous appartient pas de répondre au nom de l'OIF ou de la Belgique. Lorsque je pose ces questions, c'est parce qu'évidemment, d'une manière ou d'une autre, bien voilà, nous y sommes représentés et nous devons porter aussi les messages et les priorités qui sont celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans ces instances supérieures. Sur le fond, maintenant, je reprendrai peut-être des éléments du comité de vigilance pour la Tunisie, qui est fort actif ici en Belgique pour soutenir la démocratie en Tunisie depuis déjà de nombreuses années, pour rejoindre leur indignation et leur condamnation de ces répressions violentes, de ces violations flagrantes de la liberté d'expression, en totale incompatibilité évidemment avec l'état de droit, hein. Et les rejoindre aussi parce que, de fait, je suis comme eux convaincue que cette répression violente ne va faire en fait qu'alimenter la colère de la rue et aggraver malheureusement la crise de rejet envers l'État. Et je pense que ça ne sera absolument pas porteur de solutions sur le long terme pour cette jeunesse qui, évidemment, aspire légitimement à pouvoir vivre dignement et à pouvoir travailler et à pouvoir se soigner et à pouvoir vivre en liberté. Et donc, voilà. En tout cas, je remercie Monsieur le Ministre-Président pour ces éléments de réponse et pour le soutien que nous continuons d'apporter à des projets d'importance, précisément dans les secteurs de formation, de paix et de droits humains. Oui, merci Madame Grosvenus. Vous pouvez garder la parole pour votre question sur la situation au Burundi. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre Président, c'est aussi une question que nous avons déjà abordée à plusieurs reprises dans cette commission. La dernière fois, c'était en septembre 2020, en tout cas pour ce qui me concerne, où j'avais eu l'occasion de vous interroger sur la situation suite à l'élection du président Ndayishimiye. Alors, dans votre réponse, vous m'indiquiez que, et je cite de nouveau, « le consortium pour le monitoring des violations des droits de l'homme pendant la période électorale avait envoyé son dernier rapport à la fin du mois d'août 2020 et que celui-ci était encore à l'étude, hein, nous étions en septembre à l'époque. Dans le cadre de la 45e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui s'est tenue du 14 septembre au 7 octobre 2020, la commission d'enquête sur le Burundi a précisément présenté son rapport final. Et selon celui-ci, le processus électoral de 2020 n'a fort heureusement pas été marqué par des violences de masse. Cependant, des violations graves de droits humains se sont malheureusement multipliées tout au long du processus. Alors, au niveau européen,
La volonté est d'appuyer l'ouverture du Burundi vers la communauté internationale et de renouer les fils du dialogue politique. Cependant, cette reprise, qui passerait par la levée des mesures liées à l'article 96 de Cotonou, suppose au préalable des gestes concrets des autorités burundaises vers un rétablissement de l'état de droit. Alors, le jeudi 24 décembre 2020, après 430 jours de détention, 4 journalistes ont été libérés et graciés par le président. Alors, nous pouvons évidemment nous réjouir de cette libération des journalistes, mais il faut reconnaître que, hormis ces aspects, des avancées restent relativement timides. Et donc, monsieur le ministre-président, je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Est-ce que nous pouvons refaire un point sur la situation actuelle? Est-ce qu'à présent, plusieurs mois après ce dépôt du rapport en août 2020, est-ce que vous pouvez nous faire un retour un petit peu plus précis du rapport du consortium pour le monitoring des violations des droits de l'homme pendant la période électorale de l'année 2020 au Burundi? Et enfin, quelle sera la position et les actions de la Belgique et de l'Union européenne dans les prochains mois et comment la Fédération Wallonie-Bruxelles va-t-elle s'inscrire dans cette logique? Quels sont en tout cas les éléments importants que la Fédération Wallonie-Bruxelles va vouloir porter au niveau de pouvoir supra? D'avance, merci pour vos éléments de réponse. Merci, monsieur le ministre-président, c'est à vous. Merci, madame la députée. Si certains signaux positifs peuvent être constatés au Burundi, le dernier rapport de la commission d'enquête sur le Burundi présenté au Conseil des droits de l'homme en septembre 2020 souligne que les avancées en matière de droits de l'homme et d'ouverture politique restent insuffisantes. Après l'élection du nouveau président burundais, un dialogue entre les autorités burundaises et les ambassadeurs européens s'est amorcé. Le Burundi et l'Union européenne entament un dialogue pour une éventuelle levée des mesures liées à l'article 96 de Cotonou, qui ne peut être envisagé que si les autorités burundaises adoptent rapidement des mesures concrètes pour améliorer la situation des droits de l'homme et l'ouverture politique. Une réunion entre le ministre burundais des Affaires étrangères et les ambassadeurs européens devrait avoir lieu début février. Elle aurait pour objectif d'aboutir à une feuille de route avec des engagements attendus de la part des autorités burundaises. La Fédération Wallonie-Bruxelles suivra de près l'évolution des négociations et les garanties apportées en termes de respect des droits de l'homme au Burundi. En ce qui concerne le rapport du monitoring effectué par la plateforme d'organisation de la société civile burundaise, il met l'accent sur les éléments suivants. 1. Les différents scrutins se sont déroulés à un moment où le Burundi s'est isolé de la scène internationale après avoir rompu les liens avec les mécanismes onusiens, comme la Cour pénale internationale. Pour rappel, aucun observateur international n'a été autorisé à pénétrer sur le territoire burundais. 2. Les élections étaient organisées dans un contexte de verrouillage politique et médiatique. Les principales figures de l'opposition se trouvant en exil, les principaux médias indépendants interdits et les principales organisations de la société civile radiées. 3. Les élections générales ont été entachées d'irrégularités et des faits d'enlèvement, d'arrestations arbitraires, de disparitions et de personnes tuées ont été relevés. Compte tenu de ces éléments et de la fragilité du processus de négociation qui démarre à peine, nous resterons très attentifs à l'évolution de la situation sécuritaire et politique au Burundi. En ce qui concerne notre coopération bilatérale, il est privilégié actuellement, à l'instar de ce qui a été décidé au niveau fédéral, la mise en continuité des interventions menées directement en faveur de la population. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Madame Grosvenus, c'est à vous pour votre réplique. Merci, monsieur le ministre-président, pour ces éléments de réponse. On refera le point plus tard. Merci. Merci. Nous allons passer maintenant chez monsieur Ouriagli pour sa question sur la convention bilatérale d'entente entre WBI et le CONFAP. À vous, monsieur Ouriagli. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre-président, nous n'avons pas de coopération structurée sous forme de commission mixte permanente au Brésil, mais nous pouvons compter sur la présence d'un agent de liaison scientifique, ALS à Sao Paulo, et d'un agent de liaison académique et culturel, ALAC, à Belo Horizonte, qui sont des acteurs majeurs de notre coopération académique et scientifique. Le Brésil constitue la première priorité de l'Amérique latine au niveau du secteur scientifique. En ce sens, le Brésil constitue un partenaire majeur de Wallonie-Bruxelles en cette matière.
En effet, les universités brésiliennes sont des partenaires essentiels de nos universités dans le secteur de l'innovation et de la recherche. D'un protocole d'accord entre WBI et la Fondation brésilienne pour la coordination du perfectionnement du personnel au niveau de l'enseignement supérieur, la CAPES, a été signé à Bruxelles il y a plus de 10 ans, en octobre 2009. L'objectif de cet accord est de soutenir des projets de coopération scientifique conjoints entre des groupes de recherche brésiliens et ceux d'établissements de l'enseignement supérieur de Wallonie-Bruxelles. Un appel à projet est lancé et tous les 2 ou 4 ans pour une période de travail de 2 ans, généralement renouvelable pour 2 années supplémentaires. Plus récemment, juste avant le confinement de mars 2020, faisant suite à l'apparition du coronavirus, une délégation de WBI, composée notamment de 15 chercheurs d'universités et de centres de recherche, s'est rendue en mission au Brésil pour identifier des projets potentiels. En septembre 2020, WBI a signé un nouveau protocole d'accord pour établir un partenariat académique et scientifique avec le Conseil national des fondations de soutien à la recherche, le CONFAP, lequel vise à promouvoir une meilleure articulation des intérêts des organismes d'État pour promouvoir la recherche scientifique, technologique et d'innovation au Brésil, à travers 26 fondations nationales, la FAP. Ce protocole prévoit principalement une coopération mutuelle pour financer des projets de recherche et d'échanges entre des chercheurs brésiliens de Wallonie-Bruxelles, postdoctorants et doctorants, l'organisation de séminaires et d'ateliers conjoints, la préparation et la coordination d'activités conjointes en recherche et innovation. Monsieur le ministre-président, le Brésil est aujourd'hui la première puissance économique d'Amérique du Sud et le 9e producteur industriel du monde. Sa croissance économique ne s'est malheureusement pas accompagnée d'une croissance sociale créant, par là même, des profondes inégalités et de forts contrastes régionaux. On parle de mal-développement du pays. Cet état de fait est certainement accentué par la 2e vague de coronavirus qui touche aussi le Brésil, où rien qu'à Sao Paulo, une personne décède toutes les 6 minutes du Covid-19. Le samedi 23 janvier, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour protester contre le retard pris par la campagne de vaccination contre le Covid et réclamer la destitution du président Bolsonaro pour sa gestion de la pandémie. Monsieur le ministre-président, j'en viens à mes questions. S'agissant de l'accord WBI-CAPES, pouvez-vous nous confirmer combien de projets sont actuellement soutenus, quels sont-ils et quels sont les budgets qui y sont alloués? Pour ce qui concerne l'accord WBI-CONFAP, une webinaire a été organisée par WBI le 25 novembre pour exposer les priorités des deux pays et commencer à créer des synergies entre les entités. Pouvez-vous nous exposer ces priorités? Des partenaires pertinents ont-ils déjà été identifiés par les l'ALS et l'ALAC, chargés de suivi de ce projet? En savez-vous déjà un peu plus sur le lancement de l'appel public à projet de recherche prévu pour cette année? En dehors de ces deux protocoles d'accord, pouvez-vous nous confirmer si d'autres accords ou partenariats sont en cours entre le Brésil et la Fédération Wallonie-Bruxelles? Enfin, promouvoir la mobilité et l'internationalisation de nos chercheurs est essentiel, surtout en cette période de pandémie mondiale où la science aura des orientations importantes pour l'avenir de tous les pays du monde, en particulier les moins nantis. Je souhaite savoir dans quels autres pays WBI finance-t-elle des projets de recherche et d'échange avec des chercheurs belges francophones. Je vous remercie pour vos éléments de réponse. Merci, Monsieur le Ministre Président, pour la réponse. Monsieur le député, tout d'abord, je vous remercie de me permettre de faire le point sur nos partenariats avec le Brésil, pays avec lequel nous développons notamment des relations dans les domaines scientifiques et académiques. Comme vous l'indiquez, un protocole d'accord entre WBI et la Fondation brésilienne pour la coordination du perfectionnement du personnel au niveau de l'enseignement supérieur, CAPES, a été signé en octobre 2009. WBI appuie actuellement 8 projets portés par nos universités dans différentes thématiques comme la santé, l'agriculture, les matériaux innovants, l'environnement et l'énergie renouvelable. Un total de 30 mensualités de bourse par année est prévu pour les différents projets. Le nombre de mensualités varie selon les projets et les années. Les montants alloués ont été globalement de 10 835 euros en 2019 et de 6 474 euros en 2020. Pour ce qui concerne l'accord WBI-CONFAP, lors du webinaire du 25 novembre 2020 organisé par WBI et le CONFAP, avec le concours de l'agent de liaison scientifique au Brésil, Wallonie-Bruxelles a présenté ses priorités en matière de recherche et innovation. Ceci s'est fait en lien avec la Wallonie grâce aux représentants des 6 pôles de compétitivité et du SPW Économie-Emploi-Recherche.
Quatre représentants d'États brésiliens ont présenté, quant à eux, leurs spécificités en matière de recherche et d'innovation. La mission organisée par OIBI au Brésil en mars 2020 avait déjà permis d'établir des contacts avec une série de partenaires comme l'Institut Butantan à Sao Paulo, le Centre de chimie médicinale d'innovation ouverte à Campinas, la Fondation Oswaldo Cruz à Rio de Janeiro, ainsi que le Centre Embrapa Ressources génétiques et biotechnologiques à Brasilia. Suite à cette mission, deux projets ont été retenus dans le cadre de l'appel BioWare en 2020. Le premier projet liant le laboratoire de cellules souches et cancers de la faculté de médecine de l'ULB et le centre de chimie médicale et d'innovation ouverte à Campinas, et le second mettant en place un consortium en biosurfactants composé d'actifs biologiques des détergents entre la haute école Condorcet et d'autres partenaires brésiliens. Par ailleurs, des discussions sont en cours entre OIBI et le CONFAP pour le lancement d'un appel à projet durant le premier semestre de l'année 2021. En fonction de l'évolution sanitaire, cet appel devrait permettre le financement des projets de recherche avec des missions et des bourses en recherche. En dehors de ces deux protocoles d'accord, un accord d'entente a été également signé avec la Fondation de soutien à la recherche pour l'État de Rio de Janeiro. Il prévoit des possibilités en matière d'échange d'experts, l'organisation de visites d'études ou le financement de projets entre l'État de Rio de Janeiro et Wallonie-Bruxelles dans les domaines académiques et scientifiques. Des partenariats sont également soutenus grâce au programme de bourses d'excellence de OIBI. En 2020, trois bourses d'excellence ont ainsi été octroyées à des chercheurs brésiliens pour des projets de recherche postdoctorale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Actuellement, les relations sont étroites, en particulier avec des pays comme la France, mais aussi le Chili, la Chine, Québec, la Bulgarie et la Roumanie. Par ailleurs, comme déjà évoqué, le programme de bourse d'excellence géré par OIBI finance des mobilités dans différents pays du monde sans limite territoriale. L'année 2021, 18 boursiers sont accueillis en Fédération Wallonie-Bruxelles en provenance de l'Afrique du Sud, l'Arménie, l'Australie, le Bénin, l'Espagne, la France, l'Inde, Israël, Italie, Japon, Pakistan, la Tchéquie et la Croatie. 39 boursiers de Fédération Wallonie-Bruxelles ont reçu une bourse à destination des pays suivants: l'Allemagne, Canada, France, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et USA. Comme repris dans la note de politique internationale, je souhaite consacrer le concept de diplomatie scientifique et académique pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des initiatives existent, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les améliorer, les réorienter et fédérer les acteurs de la recherche autour d'objectifs communs afin de créer des effets de levier. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ouriagli, c'est à vous pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je remercie le ministre-président pour ses réponses. Elles ont été fort complètes. Je serai simplement attentif à l'évolution du nouveau projet de partenariat avec le CONFAP qui débute et qui, je l'espère, ne sera pas trop impacté par la crise sanitaire au Brésil. Je vous remercie. Merci. Alors, si nous étions formalistes, normalement, nous ne pourrions pas modifier l'ordre des questions en cette période, mais je ne souhaite pas être formaliste. Et on me signale, M. Ouriagli, que vous souhaitez poser maintenant votre question sur les relations avec l'Équateur et en quelque sorte faire un shift, comme on dit en mauvais français, avec la question de M. Luperto. Donc, je vous en prie, vous pouvez poser maintenant votre question sur les relations avec l'Équateur. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue, Monsieur Luperto. Il a transmis le message, c'est très bien. Monsieur le ministre-président, le 13 janvier 2021, le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, Rudy Verwoerd, et son secrétaire d'État aux relations internationales, Pascal Smet, ont signé un protocole d'accord avec leur homologue de la ville équatorienne de Quito. Les deux villes ont convenu d'étudier pendant les deux prochaines années les possibilités de développer une collaboration structurelle à long terme qui porterait en priorité sur les thématiques du patrimoine et de l'entretien des monuments, le développement urbain et le chocolat. Capitale de l'Équateur, culminant à 2850 mètres d'altitude, le centre de Quito est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Peuplé de plus de 2 011 000 habitants, soit presque le double de la région bruxelloise, Quito développe actuellement sa première ligne de métro et réserve une attention particulière au développement urbain durable. Elle a été d'ailleurs primée du Momentum for Change des Nations Unies en 2017 pour ses efforts en la matière. S'agissant du chocolat,
L'Équateur est un grand producteur de cacao, là où Bruxelles est réputée d'être la capitale du chocolat. Dans le cadre des futures collaborations, d'autres thématiques seront également étudiées, comme les droits des personnes LGBTQI+, la santé publique, la culture ou encore la recherche scientifique. Monsieur le ministre-président, le traité de libre-échange conclu entre l'Union européenne, la Colombie, le Pérou et l'Équateur est entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2017 en ce qui concerne l'Équateur précisément. En octobre 2019, l'Équateur connaissait une crise sociale importante provoquée par l'annonce du gouvernement de procéder à des réformes économiques en échange d'un prêt du Fonds monétaire international. L'annonce de l'augmentation du prix de l'essence avait provoqué la colère des indigènes, qui représentent un quart de la population. Plus de deux semaines de manifestations avaient fait plusieurs morts et des milliers de blessés. En 2020, le pays n'a pas été épargné par la crise sanitaire. L'Équateur est le premier pays d'Amérique du Sud touché par l'épidémie du coronavirus. La crise sanitaire a mis en lumière l'ampleur des carences des systèmes de santé en Amérique latine, victime d'un manque récurrent d'investissements publics, mais aussi de la corruption, mal endémique, qui affecte tous les pays de la région. L'Équateur devrait connaître une concertation. Une concertation avec l'Équateur pourrait-il être envisagé? Cela pourrait se faire dans les matières des droits des personnes, sur les conditions sociétales et sociales, notamment le peu de respect des droits de travail dans le secteur important des bananes en Équateur. Conformément à la DPC, nous sommes particulièrement attentifs au respect de balises strictes à respecter dans le cadre de la ratification d'accords commerciaux, parmi lesquels figure le respect des normes environnementales applicables et contraignantes et de normes sociales, ou encore l'inclusion de clauses de respect des droits humains, l'application des règles de transparence fiscale de l'OCDE et aussi la création d'une juridiction offrant des garanties substantielles quant à son indépendance et au respect de l'État de droit, par exemple. Comme indiqué également dans la DPC, les traités qui ont déjà été signés seront présentés pour ratification en vue d'un débat au Parlement sur la base d'une analyse d'impact où les intérêts généraux de notre économie, en particulier le chapitre sur le développement durable, seront évalués. Nous aurons donc, le cas échéant, l'occasion d'y revenir. Dans l'intervalle, pouvez-vous m'indiquer ce que vous savez des mesures prises par l'Union européenne pour gérer la situation en lien avec le respect des droits du travail dans le secteur important des bananes en Équateur? Des coordinations intra-belges permettent des discussions régulières avec les entités fédérées et le fédéral sur l'ensemble des accords commerciaux. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Voilà, et c'était ma dernière question. Je vous remercie pour vos éléments de réponse, Monsieur le ministre-président. Merci, Monsieur Rouyagli. Monsieur Jolet, c'est à vous. Merci, Monsieur le député. Il n'existe pas d'accord de coopération bilatérale entre l'Équateur et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Néanmoins, des actions ponctuelles sont menées dans ce pays, notamment dans le domaine culturel. Lors des festivités de la francophonie en 2019, WBI a par exemple soutenu la tournée en Amérique latine du pianiste Olivier de Spiegeler, qui a donné un concert au Grand Théâtre de Cuenca. Par ailleurs, dans le cadre du cycle de cinéma réalisateur belge qui s'est déroulé également à Cuenca en mars 2019, WBI a soutenu la projection du film Le Nouveau Testament de Jacob van Dormael. Aucune demande n'a été formulée par les opérateurs de Wallonie-Bruxelles ou l'Équateur en 2018 et en 2020. L'Équateur n'apparaît pas comme un pays prioritaire pour les opérateurs culturels et de la recherche scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les dispositifs disponibles au niveau de WBI ne sont pas utilisés. Il ne semble dès lors pas pertinent à ce stade de développer davantage les liens dans les matières mentionnées. S'agissant des échanges commerciaux et l'implication de l'AWEX dans le suivi de l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et l'Équateur, je vous invite à formuler cette question au niveau du Parlement wallon et du ministre compétent en Wallonie. En ce qui concerne le suivi de cet accord, le Conseil avait décidé de son application provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification nationale, et ce depuis le 1er mars 2013 pour le Pérou, entre l'Union européenne et la Colombie depuis le 1er août 2013 et entre l'Union européenne et l'Équateur depuis le 1er janvier 2017. À ce jour, tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception de la Belgique, ont ratifié cet accord. Au niveau belge, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région Bruxelles-Capitale doivent encore le ratifier. S'agissant des normes sociales et environnementales, on relevera que l'accord contient un chapitre distinct sur le commerce et le développement durable. Ce chapitre encourage les parties à appliquer dans leur législation et pratiquent les 8 conventions fondamentales de l'OIT, toutes ratifiées par les 3 pays concernés et les autres conventions de l'OIT,
ainsi que les accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement. Il met en place un forum de dialogue avec la société civile et crée un sous-comité, le comité commerce et développement durable, chargé d'assurer le suivi des dispositions de ce chapitre. Il contient également un mécanisme spécifique de règlement des différends en deux étapes, un mécanisme de consultation gouvernementale et deux, si elles échouent, la possibilité de recourir à un panel d'experts indépendants. Le respect des droits fondamentaux de l'homme est par ailleurs érigé en élément essentiel de l'accord. Notons qu'un processus d'évaluation de l'accord commercial Union européenne, Colombie, Pérou et Équateur a d'ailleurs été lancé par la Commission européenne et qu'une consultation des parties prenantes est en cours. Le suivi de la mise en œuvre des accords commerciaux de l'Union européenne est une priorité pour la Belgique et ses entités. Je me réjouis à cet égard que le chef de l'application des règles commerciales, nouveau poste créé par la Commission européenne au sein de la DG Commerce en juillet dernier, ait notamment dans ses missions de surveiller l'application des engagements en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne le programme climatique et les droits du travail. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ouriagli, c'est à vous pour votre réplique. Je remercie le ministre-président pour l'ensemble de ses réponses. Vous avez été très complet dans votre réponse. Merci. Merci, monsieur Ouriagli. Nous passons maintenant à la question de madame Mathieu à propos de l'arrêt Schrems, c'est l'enseignement numérique et le RGPD. C'est à vous, madame Mathieu. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre, chers collègues. Le récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, appelé arrêt Schrems 2, à l'encontre de Facebook, a des conséquences importantes sur l'utilisation des outils numériques en Belgique. Les écoles, hautes écoles et universités sont impactées par cet arrêt dans lequel il a été jugé que l'accord Privacy Shield ou bouclier de protection des données conclu entre l'Union européenne et les États-Unis ne serait plus valable. Directive 95/46, abrogée par le règlement 2016-679. En conséquence, il ne serait plus possible d'utiliser des programmes comme Google ou Microsoft, car les données des résidents européens seraient illégalement envoyées aux États-Unis lors de l'utilisation de ces programmes. La plupart des GAFA ont en effet des contrats qui ne sont pas conformes au RGPD. Je posais la même question à vos collègues Caroline Désir et Frédéric Dardenne, qui m'ont d'ailleurs invité à vous poser la question suivante. Monsieur le ministre, est-il au fait d'un nouvel accord en cours de négociation avec les États-Unis en la matière? Avez-vous été consulté par le ministre fédéral en charge de la protection des données dans le cadre des retombées de cet arrêt? Ce dernier vous aurait-il fait part d'un éventuel nouvel accord entre l'Europe et les États-Unis? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, madame Mathieu. Monsieur le ministre président, c'est à vous. Merci, madame la députée. L'arrêt Schrems 2 auquel vous faites référence a invalidé le dispositif appelé Privacy Shield, celui-ci étant un accord négocié par l'Union européenne et les États-Unis concernant la protection des données à caractère personnel. Ce dispositif a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne pour deux raisons. Les programmes de surveillance américains ne sont pas compatibles avec le RGPD. Et deux, les citoyens européens ne disposent pas de voie de recours suffisante aux États-Unis pour maîtriser pleinement l'usage qui est fait de leurs données personnelles. S'il est toujours possible d'autoriser les transferts de données hors de l'espace économique européen, notamment via l'encadrement par des clauses contractuelles type destinées à garantir un niveau de protection substantiellement équivalent à celui offert sur le sol européen, en pratique, on constate qu'il n'est pas possible de respecter cet aspect lorsqu'on vient au transfert de données vers les États-Unis. Concrètement, cela signifie que nous sommes dans une forme d'impasse temporaire. En effet, actuellement, la sécurité juridique concernant le transfert de données personnelles entre Europe et États-Unis n'est pas assurée. Dès lors, cela signifierait qu'en pratique, aucune entreprise ni aucun service public ne pourrait légalement travailler avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pour rappel. Si aucun accord n'est actuellement en cours de discussion avec nos partenaires américains, nous avons bon espoir que la nouvelle administration récemment entrée en fonction reprendra le cours des discussions en vue d'aboutir à un nouveau cadre. Il n'en reste pas moins qu'à ce jour, nous sommes confrontés au principe de réalité. Actuellement, une écrasante majorité des acteurs publics et privés de notre pays, ainsi qu'en Europe, utilisent les services offerts par les GAFAM pour leurs activités quotidiennes. Interdire cet usage maintenant de façon brutale
reviendrait à paralyser durablement l'activité de ceux-ci, de même qu'il faudrait compter sur des coûts importants afin d'amorcer la transition vers des systèmes conformes, sans garantie de services équivalents. Vous en conviendrez, Madame la députée, alors que nous traversons une crise sanitaire dont les répercussions sont immenses, il serait délicat de demander aux acteurs d'entamer une transition importante dans ce domaine. Toutefois, j'en conviens, cette situation est loin d'être idéale. C'est pourquoi, afin de ne pas prolonger cette situation indûment avec ou sans accord, la Fédération Wallonie-Bruxelles a pris des dispositifs afin d'entamer une réflexion profonde sur ces questions. En effet, le 21 décembre dernier, le Conseil stratégique du numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, piloté par l'ETNIC, a notamment validé la mise en place des groupes de travail chargés de proposer des recommandations dans le domaine de la gestion des données du secteur public, mais également en matière d'usage des logiciels libres dans le secteur public. Enfin, pour ce qui concerne les recommandations pour le monde scolaire, il ne m'appartient pas de répondre à la place de la ministre de l'Éducation, mais je soulignerai néanmoins qu'en l'état, les pratiques évoluent sur le sujet, notamment par le biais de recommandations de la part d'organismes régulateurs nationaux ou transnationaux en matière de protection des données. Dans ce cadre, il est recommandé aux instances qui feraient appel aux services de ce type de ne pas seulement s'accorder sur des clauses contractuelles type, mais devra s'assurer en outre que l'exportateur de données sera, je cite, en mesure de prouver qu'un tel outil permet effectivement de caractériser une équivalence de traitement en se livrant à un examen circonstancié, type de données traitées, accès simple ou hébergement des données, format des données, législation de l'État tiers, destinataire, etc. Il s'agit d'une recommandation du Conseil européen de la protection des données, mettant en avant le principe d'accountability défini dans le RGPD comme garantie de protection des données vers un pays tiers. En conclusion, Madame la députée, je vous dirai que ces questions sont d'un intérêt stratégique pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour l'Europe et que nous faisons un maximum pour y apporter des réponses pratiques, efficaces et réalistes. Je vous remercie. Merci. Madame Mathieu, c'est à vous pour votre réplique. Je remercie Monsieur le ministre pour sa réponse et également pour le mot stratégie, puisque ce sujet est tellement important. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne aborde la délicate thématique du transfert de données en dehors de l'Union. Les conséquences concrètes de l'arrêt sont que les entreprises américaines n'ont plus d'encadrement juridique pour récupérer les données de leurs contractants européens et tout transfert peut être suspendu. Il faut dès lors trouver un nouveau cadre juridique. Il s'agit d'une nouvelle incertitude dans le cadre de nos transferts de données dont la protection n'est pas encore au point. Et c'est le responsable de traitement qui peut voir sa responsabilité engagée, comme vous avez dit précédemment. Et également, il faut maintenant faire les groupes de travail afin de lire les recommandations du Comité européen soumises à la consultation publique et les 6 étapes de prévention. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame Mathieu. Nous arrivons maintenant à la question donc de Monsieur Luperto, intitulée SOD, l'absence de matériel de première nécessité pour l'Université de médecine de Dakar. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président. D'abord, de remercier mes collègues de la Commission pour la souplesse dont ils ont accepté de faire preuve à l'encontre de mon collègue Uri Ghali, qui, j'en suis sûr, en a été touché. Pour le reste, Monsieur le Ministre-Président, s'il est bien une leçon que nous pouvons tirer de 2020, c'est évidemment de considérer la santé comme un bien essentiel à notre humanité. La crise sanitaire que nous traversons nous le rappelle chaque jour. Et si, à des degrés divers, les choses se sont, bon an mal an, normalisées chez nous, qu'en est-il lorsque l'institution qui forme le personnel de santé vient à manquer autant de moyens financiers que matériels pour assurer la formation de ces futurs gardiens de la santé universelle. Début janvier, nous pouvions prendre connaissance de cris d'alarme, mais aussi de rage, des étudiants de l'Université de Dakar. SOD, du nom d'un étudiant souffrant d'une aplasie médulaire, nécessitant un déplacement vers la France pour une greffe de moelle osseuse, fut le cas de trop, l'injustice ultime et insupportable pour ces étudiants et enseignants en médecine, à tel point que certains menacent de cesser toute activité pédagogique pour l'année en cours, avec, on le devine, tous les risques sanitaires et humanitaires qu'une telle décision pourrait générer. SOD, c'est le symbole d'un combat pour des moyens accessibles, c'est l'humanisation du mot « dièse » inventé en décembre 2020,
le hashtag Birhôpital, qui signifie en Wolof dans l'hôpital, pour dénoncer leurs conditions de travail, mais aussi le manque d'éléments dérisoires, mais pourtant essentiels, comme des masques ou des gants, ou encore l'absence de remboursement de frais de transport, l'absence de prise en charge de la vaccination, les stages non rémunérés. Les plaintes sont nombreuses, alors qu'ils assurent être des piliers dans le fonctionnement des structures de santé. Alors, il est évident que la crise Corona mobilise tous les services de santé à travers le monde. Mais il y a une chose qui est tout aussi évidente, c'est que nous ne pourrons vaincre cette crise que si la réponse est mondiale et globale. Ma collègue Grovonus y faisait allusion au travers de l'accès universel au vaccin, par exemple, dans sa question en début de commission. Je l'aborde par un autre biais. Mes questions, Monsieur le Ministre-Président, visent donc à savoir si vous avez d'abord été informé, sensibilisé aux difficultés que rencontre l'Université de Dakar, mais peut-être plus largement d'autres universités de médecine ailleurs en Afrique ou dans le monde et avec lesquelles nous entretiendrions des relations privilégiées. Avez-vous été interpellé par notre délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar sur le manque avéré de moyens ? Des partenariats existent-ils avec nos universités ? Je sais que la réponse est oui. Vous ont-ils alerté sur cette situation ? Est-ce que des actions visant à envoyer du matériel médical de première intervention est à l'ordre du jour ? Je vous remercie déjà, Monsieur le Ministre-Président, pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Monsieur le Ministre-Président, c'est à vous. Merci, Monsieur Luperto. Je vous remercie pour votre question. Cette problématique des conditions de travail des étudiants en médecine au Sénégal a en effet été relayée cette dernière semaine par les médias internationaux. Notre délégation générale à Dakar nous informe très régulièrement sur la situation politique, sociale, économique et sanitaire du Sénégal et de la juridiction, notamment sur la problématique de la faiblesse de certaines infrastructures comme les infrastructures de santé. Les conditions de travail du personnel médical en milieu hospitalier public sont difficiles au Sénégal, et encore davantage dans un contexte de pandémie qui met les systèmes de santé fragiles sous tension. Le sous-investissement majeur dans la santé est un défi commun à une majorité des pays africains. La déclaration d'Abuja engage les gouvernements africains à consacrer 15% de leur budget national au secteur de la santé. Mais cette promesse de 2001 a été peu suivie des faits. En 2019, seuls le Rwanda et l'Afrique du Sud ont respecté leurs engagements. Néanmoins, en octobre dernier, le président sénégalais Macky Sall a annoncé vouloir mobiliser 700 millions d'euros d'ici 2024 pour moderniser le secteur de la santé au Sénégal. Des relations existent bien entendu entre nos universités et leurs homologues africaines, notamment pour le Sénégal et spécifiquement dans le domaine médical. Par exemple, je voudrais évoquer les formations universitaires et bourses associées de l'ARES, telles que pour le Master de spécialisation en sciences de la santé publique, le Master de spécialisation en médecine transfusionnelle, le Master de spécialisation en gestion intégrée des risques sanitaires dans les pays du Sud. Au Sénégal, le prochain programme de travail Sénégal, Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie 2021-2026 fera certainement la part belle à la santé. Il s'agit d'une évolution voulue et anticipée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en accord avec les autorités sénégalaises. Les projets qui seront retenus ne sont pas encore connus et sont en cours de discussion. Soulignons également les efforts consentis par le gouvernement via WebEI pour soutenir le secteur santé au Sénégal, notamment au travers d'aides d'urgence accordées dès le début de la pandémie. Via une subvention à un consortium, l'ULG, UCL et l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui vise à accroître les capacités de diagnostic de l'Institut, ainsi qu'une subvention à un consortium de professionnels de la chimie issus des métiers scientifiques qui fabriquera du gel hydroalcoolique en coopération avec l'École polytechnique de Thiès. Par ailleurs, la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Dakar a communiqué dès le printemps 2020 à l'Institut Pasteur de Dakar et à l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation du ministère de la Santé et de l'Action sociale le protocole scientifique de l'Université de Namur permettant de multiplier les tests Covid-19 avec un stock limité de réactifs. Comme vous le voyez, la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses représentations sont actives sur le front de la santé et participent à la réponse des défis auxquels nos pays partenaires de coopération sont confrontés. Je vous remercie. Merci. Monsieur Luperto, c'est à vous pour votre réplique. Je tiens à remercier le ministre-président pour le caractère détaillé et approfondi de la réponse qu'il m'apporte et des nombreuses perspectives
à court, moyen et long terme qui sont évoqués dans le corps de sa réponse. Il est évident que la responsabilité première visant à doter le secteur de santé de moyens suffisants incombe évidemment aux États. Par ailleurs, ce qui est un peu interpellant, c'est que le Sénégal n'est en termes de développement pas le plus mauvais élève de la classe africaine. Et donc, si le problème se pose dans cette pandémie au Sénégal, on peut imaginer qu'il se pose avec plus d'acuité encore dans d'autres États africains avec lesquels nous entretenons par ailleurs des relations de longue date également. Et donc c'est interpellant parce que au-delà de tous les programmes à court, moyen et long terme qui viennent d'être listés, il y a de manière universelle une urgence là maintenant tout de suite à ce que chacun puisse disposer du strict minimum. Il y a donc une sorte de caractère universel au bien de première nécessité en santé qui se pose avec acuité parce que finalement, que je le disais, cette pandémie, nous pouvons la vaincre à l'échelle nationale, la vaincre à l'échelle européenne, mais c'est évidemment à l'échelle planétaire que la mobilisation doit exister. Et pour combattre ce virus, il est évidemment essentiel que chacun des États puisse compter sur le strict minimum pour ce faire. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais ainsi que je l'indiquais, ma collègue Grovenius a mis tout à l'heure à l'agenda la question du vaccin. On sait que la francophonie parlementaire vient de se réunir, en a fait un thème majeur de ces réunions récentes, en appelant les uns et les autres à mobiliser leur gouvernement. Je sais que nous y reviendrons ultérieurement, mais je pense qu'au-delà, tout ce qui peut être mobilisé pour tenter d'apporter rapidement des réponses aux besoins primaires dans cette pandémie seront évidemment les bienvenus. Je vous remercie. Merci, Monsieur Luperto. Nous allons maintenant aller vers Monsieur Matagne pour sa question sur le mandat présidentiel de Joe Biden. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre-Président. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Le 20 janvier dernier, Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis. Après 4 années de vulgarité, d'outrance, de décisions irréfléchies, voire de comportements immatures, le pays est aujourd'hui divisé comme jamais. Les défis sont nombreux, mais cela fait du bien d'observer un retour à la décence, voire une certaine bienveillance, je l'espère. Il ne faut pas être naïf pour autant, les États-Unis continueront bien entendu à défendre leurs intérêts, mais on est en droit de supposer que ces intérêts ne seront plus vus comme systématiquement et par principe opposés à ceux de leurs partenaires, partenaires qualifiés d'ennemis par le précédent locataire de la Maison-Blanche. Tout ceci représente à mon sens, Monsieur le Ministre-Président, des opportunités de partenariat avec les USA. Bien entendu, des programmes existent et se poursuivent fort heureusement, peu importe les administrations en place, mais ce souffle nouveau pourrait nous engager à aller plus loin. Et donc, j'aimerais savoir, Monsieur le Président, si le nouveau président des États-Unis vous inspire concrètement une nouvelle forme de partenariat. Envisagez-vous de nouveaux programmes avec les États-Unis? Souhaitez-vous renforcer les programmes qui existent déjà? Avez-vous chargé des organes comme WebEI ou encore le BIJ ou d'autres organes à réfléchir à de nouveaux projets dans les champs culturels, de la recherche ou encore de l'enseignement? Je vous remercie d'avance pour toutes vos précisions. Merci, Monsieur le Ministre-Président, c'est à vous. Merci, Monsieur Matin. J'ai cru que vous alliez me demander si le président des États-Unis m'avait déjà appelé, mais pas encore, je suppose qu'il va le faire. Hein, j'espère qu'il le fera. Plus sérieusement, l'élection du nouveau président Joe Biden est bien entendu un signe positif au niveau des relations internationales. La politique extérieure des États-Unis pourrait redevenir plus stable. En effet, le président Biden attache une importance toute particulière au multilatéralisme. Et je salue d'ailleurs le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au niveau de certaines enceintes internationales comme l'OMS. En ce qui concerne les actions mises en place par WebEI en lien avec les États-Unis, nous pouvons notamment relever au niveau de la mobilité les programmes de bourse d'excellence In-Out pour les chercheurs, les programmes Artichoc pour les jeunes artistes et Entrechoc pour les jeunes entrepreneurs du Bureau international jeunesse, le BIJ, le programme Erasmus+, et l'offre de bourse du programme Fulbright, soutenu par le fédéral, permettent également de soutenir les mobilités d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants, entre autres vers les États-Unis. Deuxième élément, au niveau de l'enseignement supérieur,
Wibé Campus participe à la conférence annuelle de l'Association for International Educators, comptant plus de 10 000 membres. C'est la NAFSA, et la plus grande association au monde promouvant l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Troisième élément, au niveau de la défense du français, la Fédération Wallonie-Bruxelles a toujours gardé un contact privilégié avec la Louisiane dans le cadre d'un programme de développement du français et offrir des bourses portant sur le français comme langue étrangère à de futurs professeurs de français américains. Quatre, en matière culturelle, une chargée de projet pour la politique culturelle est positionnée à New York. Elle a pour mission de valoriser les talents artistiques de Wallonie-Bruxelles sur la côte Est, mais aussi nos designers à travers des actions spécifiques menées avec le milieu de la mode. Par ailleurs, WBI participe également chaque année avec un collectif d'artistes et de créateurs numériques au South by Southeast Festival à Austin. Enfin, au niveau de la recherche et de l'innovation, un agent de liaison scientifique est positionné sur la côte Est. Sa présence permet de nouer des liens avec le secteur et WBI participera par exemple avec des représentants de l'ULB et de l'UCL Louvain au salon Meet European Career Fair, organisé virtuellement le 28 février prochain pour créer de nouveaux liens avec de jeunes chercheurs et étudiants de différentes universités américaines, notamment Harvard, Boston, University, donc des différents étudiants qui voudraient se rendre en Europe. Notons aussi que WBI participera à la mission princière organisée du 4 au 8 octobre 2021 à Atlanta, Boston et New York. Comme vous le voyez, nous consolidons l'existant et nous nous projetons vers l'avenir. Il est sans doute un peu tôt pour déterminer le futur de nos relations, comme vous. Il faut une certaine prudence. Je pense que ça ne saurait pas de toute façon être pire que ça ne l'était avec son prédécesseur. Mais voilà, vous voyez qu'à travers toute une série d'actions concrètes, nous tentons d'établir des relations fortes avec les États-Unis et à notre niveau, bien évidemment. Je vous remercie. Merci. Monsieur Matane, c'est à vous pour votre réplique. Simplement pour remercier le ministre-président pour ses précisions. Voilà donc de belles perspectives que je vous encourage à soutenir et à développer autant que vous le pourrez. Je ne manquerai pas évidemment de revenir vers vous sur ce dossier, puisqu'effectivement, comme vous le mentionnez, il est peut-être un peu tôt pour tirer les premières conclusions. Merci en tout cas, monsieur le ministre-président. Merci. Vous pouvez garder la parole, Monsieur Matagne, pour votre question sur la relance des acteurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles via leur diffusion internationale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, l'ordre du jour de votre séance du gouvernement de jeudi dernier, le 28 janvier, mentionne un point relatif à la relance des acteurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles via leur diffusion internationale. Alors, si l'intitulé reste globalement assez vague, il offre de belles promesses. Hein. Le mot « relance » en cette période est très attendu. Il suscite l'intérêt, voire l'espoir qu'il recouvre derrière ce mot important, une stratégie structurée, ambitieuse, de soutien justement au monde culturel dans sa diffusion à l'international. La mise sur pied d'un plan massif serait en effet nécessaire afin de répondre aux trop longs mois de disette subis par nos opérateurs. J'ai déjà eu l'occasion de vous interroger à plusieurs reprises sur la question du soutien de nos opérateurs à l'international. Je cherchais et je cherche toujours à savoir si une initiative est en préparation et si l'ambition est de compenser effectivement ces mois où effectivement il ne s'est pas passé grand-chose et malheureusement je pense qu'on le regrette tous ici dans cette enceinte. Et donc Monsieur le Ministre-Président, j'aimerais savoir si vous pourriez nous donner finalement le résultat de votre gouvernement du 28 janvier dernier. Le gouvernement a-t-il pris une décision sur ce point en particulier de relance des acteurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans leur diffusion internationale? Et si oui, pourriez-vous nous apporter quelques détails évidemment afin que nous puissions prendre connaissance de ce plan de relance, quelles sont les grandes orientations, les types de soutien, le budget octroyé. Et puis par ailleurs, afin de calibrer au mieux cette initiative, si vous souhaitez la mettre en œuvre, il y a-t-il eu une enquête sur les besoins afin que ce plan soit correctement relancé? Et aussi si une mise à plat des économies forcées réalisées ces derniers mois a-t-elle été effectuée? Je vous remercie pour vos précisions. Monsieur Jollet, c'est à vous pour votre... Merci, Monsieur Matagne, et je vous remercie de me permettre de faire le point de ce qui a été adopté au gouvernement du 28 janvier dernier, puisque vous savez qu'en tant que ministre-président, j'ai aussi
les relations internationales et que j'ai souhaité investir au niveau de la culture. On connaît les difficultés que rencontre le monde culturel. On connaît aussi, je veux dire, le soutien à la création et tout ce qui va se passer au niveau de la création. Et on sait que les mois qui viennent, j'ai envie de dire peut-être les mois et les années, on aura besoin de soutenir la diffusion, et y compris sur la scène internationale, parce que nous débordons de talents dans tous les domaines. Et donc, en concertation avec Webby, mais aussi avec les agences culturelles, avec le Théâtre des Dons, j'ai des questions tout à l'heure sur la convention cadre, mais aussi avec le centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Je pense qu'il est de notre devoir vraiment de faire un maximum pour les artistes. Et quand vous parlez d'enquête, ben forcément, c'est sur base aussi des analyses, des relations, des contacts qu'on a avec ces différents opérateurs de terrain, qu'on a pu sélectionner différentes mesures proposées afin de soutenir nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors l'idée a été d'établir plusieurs catégories d'aides. La première, c'est la majoration et l'adaptation des outils existants proposés par Webby, la prise en compte de disciplines auparavant non soutenues, comme le théâtre adulte par exemple, renforcer les mesures dans le cadre de l'exportation des artistes francophones de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de leur diffusion, prospection concernant l'exportation des artistes, l'augmentation de forfaits de séjour en résidence, ou concernant la diffusion, l'aide au surtitrage, ou encore l'extension des focus professionnels. Deuxième type d'aide, le développement de mécanismes complémentaires visant à la professionnalisation du secteur pour aider nos artistes à s'exporter davantage. C'est la mise en place de nouveaux types de bourses, développement d'outils, telles que la création de podcasts, l'aide à la traduction dans le secteur du livre, l'amplification du networking ou encore la mise à disposition de formations ou l'aide à la promotion. Troisième type d'aide, le redéploiement de la culture, c'est mise sur pied d'appels à projets spécifiques, amélioration du paysage culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles, organisation d'événements culturels à l'international. Pour financer toutes ces mesures, je rappelle qu'un premier montant avait déjà été dégagé lors du conclave budgétaire. 2,5 millions d'euros avaient été destinés à l'urgence, dont 1 million d'euros pour de la garantie et 1,5 million d'euros pour le soutien des acteurs culturels francophones au niveau international. En plus de ce montant, la note qui a fait l'objet d'un accord ce 28 janvier libère un montant de 2,465 000 euros. Au total, une enveloppe de près de 4 millions d'euros va permettre l'exécution de toutes ces mesures. S'agissant de votre question sur les économies forcées réalisées, je suis bien entendu en contact constant avec Webby concernant tous les événements annulés, mais 2021 étant encore une année très floue, nous ne pouvions déjà présumer d'économies suffisantes permettant la mise en place ambitieuse de toutes les mesures citées. Mais j'ai envie de dire que les besoins à la diffusion de la culture sur la scène internationale sont illimités. Donc on aura bien évidemment encore l'occasion, d'évaluer, éventuellement des économies pour voir le type d'action qu'il sera envisagé de prendre. Mais vous voyez, je pense que ce sont des actions concertées, un soutien concerté avec les acteurs, mais aussi un soutien financier qui est important, mais je pense que c'est à la hauteur aussi de l'importance du soutien de nos artistes sur la scène internationale. Merci. Monsieur Matane, c'est à vous pour votre réplique. Merci, monsieur le ministre-président, pour votre réponse très complète et pour votre enthousiasme, pour toutes les idées que vous mettez sur la table avec transparence. Je ne vais pas cacher que je suis relativement satisfait qu'il y ait enfin un ministre dans cette législature qui s'occupe de la culture et notamment de la culture à l'international. Donc évidemment, on sait qu'il est encore un petit peu tôt pour évaluer toutes ces mesures qui ont été mises en œuvre, mais je vous demande de continuer à travailler en ce sens et surtout de rester en parfaite adéquation et en parfaite concertation avec le terrain. Merci beaucoup, monsieur le ministre-président. Merci, monsieur Matane. Nous passons maintenant à madame Gréoli pour sa question à propos d'un prêtre retrouvé mort au Burkina Faso. C'est à vous. Après l'excellente question et l'excellente réplique de mon collègue monsieur Matane, et en remerciant aussi le ministre président pour ses investissements au Théâtre des Dons, je vais poser une question beaucoup moins
enthousiasmante. Monsieur le ministre président, le corps de l'abbé Rodrigue Sanon, prêtre, et qui avait disparu le 19 janvier, a été retrouvé dans une forêt du sud du Burkina Faso. Et d'après les sources et les témoignages, tout semble indiquer que M. l'abbé Sanon a été en fait enlevé et exécuté par des djihadistes. Alors cette exécution dépasse bien entendu largement le cadre du fait divers et largement, je vais dire, le cadre de vos compétences. Je ne vous transforme pas en ministre des Affaires étrangères, mais il n'empêche qu'elle peut avoir des répercussions pour le gouvernement de la communauté française. Monsieur le ministre président, vous savez qu'au-delà de ce cas précis qui est vraiment à déplorer, il convient évidemment de condamner avec force ce type d'action. Et donc je voudrais savoir si vous disposez d'informations permettant d'objectiver la situation du risque terroriste djihadiste au Burkina Faso et au vu de la porosité des frontières avec le Mali et avec la Côte d'Ivoire, est-ce que la présence de ces groupes a tendance à se renforcer? Est-ce que vous disposez par ailleurs d'une vision plus claire ou la plus claire possible sur la situation qui a des répercussions pour nous, puisque nous avons une coopération importante entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Burkina Faso, d'ailleurs en particulier en culture et en cinéma. Ce sont des sujets et ce sont vraiment des coopérations qui ont prouvé notre capacité avec l'Afrique à pouvoir développer une culture et un rayonnement culturel, et ce depuis 20 ans. Et c'est aussi le Burkina est aussi un partenaire privilégié, et nos liens avec la société civile, ils sont vraiment très profonds. Alors, sur base de cette objectivation des risques, une analyse des projets en cours a-t-elle été menée sous l'angle sécuritaire? Des conclusions ont-elles été tirées? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, Madame Grioli. Monsieur le ministre, c'est le président, c'est à vous. Merci, Madame Grioli. J'ai pris connaissance de cette triste nouvelle comme vous. Les circonstances de cette mort n'ont pas été précisées, mais la piste terroriste d'un enlèvement suivi d'une mise à mort est à ce stade la plus probable. Les attaques terroristes dans le pays ont fait près de 1100 morts et plus d'un million de déplacés depuis 2015. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières, visant principalement la partie nord et est du pays. Si l'insécurité résulte en grande partie d'une extension du conflit malien, la crise au nord du Burkina révèle aussi une dynamique sociale endogène. Depuis quelque temps, la zone sud-ouest du Burkina Faso fait l'objet d'une augmentation de l'insécurité. En juin 2020, le poste frontière côté ivoirien avait fait l'objet d'une attaque terroriste faisant 10 morts et 6 blessés. Récemment, le 27 octobre, le ministre des Affaires étrangères belge a placé la ville de Banfora en zone rouge. Malgré une certaine reprise en main de la situation depuis quelques mois, la crise est loin d'être terminée. Le Burkina et ses partenaires sont conscients qu'elle exige une réponse globale et non uniquement militaire. Cette réponse doit surtout tenir compte des dimensions sociales et locales de la crise qui prévalent sur ces dimensions religieuses ou sécuritaires. C'est ce qui explique la mise en place du G5 Sahel pour lutter contre les défis auxquels sont confrontés les pays du Sahel, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Une analyse du risque sécuritaire est réalisée régulièrement au niveau des programmes de travail de WEBI et de l'APF. L'insécurité peut impacter la mise en œuvre des projets de deux manières. Un, les programmes de travail WEBI et de l'APF font appel souvent à des échanges d'expertise entre le Burkina Faso, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Des missions ont dû être annulées suite au risque sécuritaire qui a été renforcé en 2020 par le risque sanitaire. Cependant, les nouvelles technologies, recours à la vidéoconférence notamment, qui se sont développées lors de la crise sanitaire, pourront faciliter les échanges. Deux, certains programmes se mettent en œuvre dans les zones où règne l'insécurité. À ce niveau, le programme en appui à l'initiative de la Grande Muraille Verte est le plus concerné puisqu'il opère dans le nord et le sud du pays, et dans l'est du pays, pardon, le nord et l'est du pays. Pour poursuivre les activités, des mesures de sécurité sont prises, comme la limitation des déplacements, l'analyse des risques sécuritaires avant les déplacements ou encore des changements d'itinéraire pour les déplacements ou retrait des logos sur les véhicules. Vous voyez que la situation reste extrêmement tendue. Je vous remercie.
Merci. Madame Gréoli, c'est à vous pour votre réplique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Ministre Président. Et je vois que les analyses sont bel et bien effectuées. C'est évidemment toujours très compliqué, puisque c'est plus que jamais dans ces conditions-là que la coopération, que la collaboration, que l'échange culturel est essentiel pour que nous puissions apporter d'une certaine manière dans ces échanges notre petite, toute petite pierre à l'édifice de la démocratie et surtout au rayonnement, entre autres, culturel avec des conséquences économiques pour les populations. J'entends bien, et c'est peut-être aussi une opportunité, que c'est le moment de se servir là aussi des nouvelles technologies et de pouvoir comme ça ne pas prendre de retard et surtout de ne pas rompre les relations que nous avons avec ce pays dont, je le rappelle, le Burkina Faso, il fait partie de nos partenaires privilégiés et surtout, il a vraiment une richesse culturelle qui peut nous apporter à nous et à eux sur le plan du rayonnement international quelque chose de tout à fait essentiel. Je vous remercie. Merci, Madame Gréoli. Nous retournons maintenant vers Monsieur Luperto pour sa question sur le militantisme LGBTQ dans les pays arabes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, chers collègues. Si en Belgique la question du militantisme LGBTQI et des droits accordés à toutes et tous sans distinction et discrimination en fonction de l'orientation sexuelle ou affective est admise, ce n'est hélas pas le cas partout, notamment dans le monde arabe, où cette question est au mieux tabou, au pire peut faire l'objet de sanctions allant parfois jusqu'à la peine de mort. Pourtant, malgré cette crainte, il apparaît que le courage des militants LGBT s'intensifie afin de faire avancer et évoluer les mentalités et les regards sur les droits légitimes et universels, comme ceux d'être tout simplement acceptés comme nous sommes. C'est l'avis de Jean-Pierre Filiou, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, spécialiste des questions traitant du Moyen-Orient, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde ce dimanche 24 janvier dernier. Il y évoque notamment la création d'un réseau qui devient de plus en plus dense, se mobilisant notamment en Tunisie et au Maroc contre les dispositions liberticides du code pénal au sujet de l'homosexualité, mais aussi par la création de la Fondation arabe pour les libertés et l'égalité, l'AFE, basée à Beyrouth, à l'initiative de la campagne « Plus jamais seul » avec Human Rights Watch, en avril 2018. Notons aussi que des pays comme la Jordanie et Bahreïn ont aboli les lois héritées de l'ère coloniale qui criminalisaient déjà l'homosexualité. Nous le voyons, les choses évoluent lentement et le chemin est encore long, nonobstant le côté encore délicat de cette question qu'il convient de lire au travers du prisme de conventions ou de convenances culturelles et religieuses, difficilement enclines à aborder cette question. À une question que je vous posais en juillet 2020, vous m'informiez d'une mise en collaboration de Wallonie-Bruxelles internationale auprès des responsables du réseau EGIDES, notamment en vue de soutenir différentes actions. Donc ma question, Monsieur le Ministre-Président, vise à savoir ce qu'il en est des actions et du soutien de WBI apporté à l'EGIDES ou d'autres réseaux pour ces associations locales. Quelles avancées ont été obtenues à ce jour au regard, bien entendu, des difficultés rencontrées par la crise sanitaire que nous connaissons et que nous traversons? Qu'en est-il aussi actuellement du maintien de l'Assemblée générale prévue à ce jour du 30 juin au 3 juillet à Genève? Qu'en est-il de la prise en charge des frais de participation pour 10 des 12 bourses des participants des pays prioritaires? Et enfin, d'autres projets sont-ils envisagés? Si oui, lesquels? Je vous remercie déjà pour vos réponses, Monsieur le Ministre-Président. Monsieur le Ministre-Président, c'est à vous. Merci, Monsieur Luperto. WBI maintient bien entendu sa collaboration avec l'EGIDES en concertation avec la Direction de l'égalité des chances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Reste que cette année 2020 a obligé l'EGIDES à adapter son programme compte tenu de l'impossibilité de réaliser des projets en présentiel. Dans ce contexte de crise sanitaire, il n'a pas été possible de concrétiser en 2020 les pistes de collaboration évoquées avec WBI. Des contacts sont en cours pour concrétiser cela en 2021. En ce qui concerne le second volet de votre intervention, à ce stade, l'Assemblée générale est maintenue aux dates évoquées, et ceci sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. La possibilité de prendre en charge les frais de participation de plusieurs représentants d'associations issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de représentants de nos pays prioritaires de coopération est toujours valable. Les modalités précises seront évoquées avec les responsables des GIDES.
Enfin, en guise d'exemple de projets portés par mes services, j'attire votre attention sur une activité de l'année culturelle Tunisie en mouvement, en l'occurrence le projet Solidarité transnationale et politique LGBT mondiale, porté par l'Institut de sociologie de l'ULB. Ce projet vise à organiser une conférence de 3 jours, réunissant des chercheurs et des chercheuses, des praticiens et des praticiennes, ainsi que des acteurs et actrices de la société civile, pour initier des échanges autour des enjeux relatifs aux solidarités transnationales, lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, entre les pays francophones et particulièrement entre Wallonie-Bruxelles et la Tunisie. Cet enjeu se pose de manière d'autant plus centrale que la Belgique a acquis une position de championne des droits LGBT au niveau mondial, que la Tunisie constitue un des pays de la région MENA où ces enjeux sont les plus discutés. Cette activité aura lieu dans le courant du mois de mars prochain et est organisée en collaboration avec le réseau EGIDES. Je souligne ici ce bel exemple qui illustre la façon dont l'action dans les réseaux multilatéraux francophones permet d'ancrer une meilleure action bilatérale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dupertot. C'est à vous pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre-président pour sa réponse et pour la réaffirmation volontaire du souhait de collaborer au travers de WebEI avec un certain nombre d'acteurs sur la thématique évoquée. Je comprends évidemment que l'année est particulière. Elle l'est sur ce terrain-là comme sur beaucoup d'autres. Et donc, on peut entendre qu'un certain nombre de dynamiques souhaitées pour l'année 2020 soient postposées à 2021. Mais cette thématique est importante, comme beaucoup d'autres, sur le terrain des droits humains. Et nous nous en faisions l'observation il y a peu encore avec un certain nombre de responsables parlementaires, dont le président de Motte, président de cette Assemblée, à l'occasion d'échanges avec l'APF, l'OIF. On sent parfois une sorte de refroidissement sur le terrain des droits humains et en particulier sur des questions plus sensibles comme celles que je viens d'évoquer au travers du prisme culturel. Il est donc important que nous continuions à être leaders sur ces questions-là et à réaffirmer que pour nous, les relations bilatérales ou multilatérales se traduisent aussi par une réaffirmation des valeurs. Et je pense d'ailleurs que dans votre lettre de mission pour la législature en matière de politique internationale, la réaffirmation des droits humains faisait partie des éléments clés et donc il est heureux que vous le souligniez encore au détour de votre réponse. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Merci, Monsieur Dupertot. Nous allons maintenant nous diriger vers Madame de Coster-Beauchaud pour sa question sur le programme Europe Créative. C'est à vous, Madame de Coster. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre président, à la suite de l'accord sur le cadre financier européen pluriannuel pour la période 2021-2027, en lien évidemment avec le plan de relance qui est lié à la crise du Covid-19, il est fondamental que la culture puisse être au cœur du redéploiement tant au niveau local que national et européen. Alors, dans la proposition qui a été présentée par la Commission européenne, la ministre de la Culture, dans une question que je lui avais adressée il y a quelques mois sur le sujet, déplorait à ce moment-là que le programme Europe Créative ne soit pas revalorisé. Et elle disait à ce moment-là que le programme qui s'élevait à 1,5 milliard pour la période 2014-2020, ne passerait qu'à 1,520 milliard pour la période 2021-2027. Et donc, elle ne comprenait pas très bien ce positionnement à un moment où les artistes et tous les techniciens et tout ce qui entoure les artistes, souffraient particulièrement. Alors, un sommet devait avoir lieu sur ces enjeux les 17 et 18 juillet dernier. Et votre collègue espérait que la voix de la Fédération Wallonie-Bruxelles soit entendu pour obtenir une augmentation conséquente et significative du budget de ce programme, Europe Créative. Alors, ce programme doit pouvoir donner une place vraiment, une réelle place aux artistes et faire de la création un élément central. Alors, je voudrais savoir à combien s'élève aujourd'hui le programme Europe Créative dans le cadre financier européen pluriannuel pour cette période qui va de 2021 à 2027. Alors, comme ce cadre financier pluriannuel a été approuvé, une augmentation conséquente et significative du budget
a-t-elle bien été enregistrée, comme l'espérait votre collègue en charge de la culture? Et dans l'affirmative, est-ce que nous allons pouvoir développer des projets plus ambitieux, soutenant les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Je vous remercie, Monsieur le Ministre-Président. Merci, Madame de Coster. Monsieur le Ministre-Président, c'est à vous pour la Merci, réponse. Madame la députée. À la suite de l'accord sur le cadre financier européen pluriannuel 2021-2027 en lien avec le plan de relance européen Next Generation Union Européenne, suite à la crise du Covid-19, se pose la question de l'ampleur du soutien apporté par ces instruments au secteur culturel et créatif à travers le programme Europe Créative. Le programme Europe Créative a été doté d'un budget de 2,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et bénéficie ainsi d'une augmentation de budget significative de plus de 60% par rapport à la dotation précédente 2014-2020. Dans le cadre de ce budget revu à la hausse, des appels à projets seront lancés conformément au plan de travail annuel du programme. Les artistes et créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles pourront répondre à ces appels à projets avec le cas échéant l'aide et le soutien du Desk Europe Créative Wallonie-Bruxelles via notamment des réponses concrètes sur les actions prévues, les critères de participation ou le calendrier des appels. Vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, de revenir sur ce dossier, mais voilà aujourd'hui ce que je peux vous communiquer concernant les montants, l'augmentation et les appels à projets qui seront lancés. Je vous remercie. Merci, Madame de Coster-Rouchot. C'est à vous pour votre réplique. Mais je n'ai qu'à me réjouir de cette excellente nouvelle. Évidemment, j'imagine que votre collègue aussi sera enchanté d'apprendre qu'au niveau des artistes et du soutien que la Fédération Wallonie-Bruxelles pourra apporter un soutien important. Je pense que il faut bien communiquer aujourd'hui pour que une majorité d'artistes puissent participer à l'appel à projet pour être évidemment retenus. Je ne manquerai pas de revenir sur ce dossier important, mais également auprès de la ministre de la Culture. Je vous remercie. Merci. Nous nous dirigeons maintenant vers une série de trois questions groupées. La première sera posée par Madame Laruelle et s'intitule « Augmentation de la subvention du Théâtre des Dons pour le nouvel accord programme ». C'est à vous, Madame Laruelle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre Président, le Théâtre des Dons a été créé par la Fédération Wallonie-Bruxelles sous l'égide du Ministre Président Hervé Asquin. Et son rôle, c'est évidemment d'assurer une mission de service public, savoir contribuer à la promotion, à la diffusion des artistes et des productions artistiques au niveau international, mais encore plus spécifiquement au niveau français. Le précédent accord cadre a pris fin décembre 2020 et j'ai lu avec grande attention, mais surtout grand intérêt, l'interview croisée que vous avez pu réalisé ce week-end, interview croisée avec le directeur actuel du Théâtre des Dons, M. Cofino Gomez. Dans cette interview, vous annonciez une augmentation substantielle de la subvention, vu que c'est 21% d'augmentation, soit un peu plus de 144 000 euros d'augmentation, une plus grande stabilité de cette convention, vu qu'elle base elle passe sur base quinquennale et non plus sur 4 ans. Vous y annonciez également un plan d'investissement. J'imagine, Monsieur le Ministre Président, que cette augmentation, vous l'avez analysée de manière approfondie. Ça, je n'ai évidemment pas beaucoup de doutes à ce propos. La crise du Covid nous rappelle évidemment, et les questions précédentes l'ont encore montré, l'importance de la culture, mais également l'importance de faire rayonner notre culture et nos artistes par-delà les frontières de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je sais que c'est un point sur lequel vous êtes particulièrement attentif et notamment, c'est repris en long et en large, si vous me permettez l'expression, dans votre note politique internationale. J'aurais voulu savoir si cette augmentation de plus de 21% s'inscrit dans un plan plus large de soutien à la culture au niveau international, même si
dans vos réponses précédentes, j'ai déjà pu évidemment recueillir un certain nombre d'informations. J'aurais également voulu avoir un peu plus de détails sur cette nouvelle convention cadre, et notamment à quoi va servir cette augmentation, quels sont les points focaux de celle-ci. Et enfin, au niveau de la crise actuelle du Covid, ben, en avez-vous tenu compte dans ce nouvel accord cadre? Et si oui, de quelle manière? Je vous remercie d'ores et déjà pour vos réponses. Merci. Mesdames, je me tourne vers Madame Reichmans pour votre question sur le théâtre des dons à Avignon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre Président, effectivement, vous avez, le 26 janvier, annoncé le refinancement du Théâtre des Dons à Avignon. Le conseil d'administration du Théâtre de l'Escalier des Dons, qui est la vitrine de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Avignon et en France, a signé en effet un nouvel accord programme avec une subvention annuelle augmentée de 21%. Par ailleurs, le théâtre va faire l'objet de travaux pour un minimum de 300 000 euros. Ce sont évidemment d'excellentes nouvelles en ces temps tellement difficiles pour la culture. Le budget supplémentaire est destiné notamment au théâtre jeune public. Il intègre de manière récurrente la subvention de 25 000 euros destinée à soutenir le secteur du cirque, ainsi que 15 000 euros annuels désormais pour la promotion de la francophonie en dehors de la période du Festival d'Avignon. C'est tout à fait réjouissant. Écolo, vous questionnez récemment pour vous rappeler l'intérêt que le théâtre des dons soit intégré dans le décret relatif aux futures directions en art de la scène. Nous voulons en effet une politique de promotion culturelle internationale qui soit étendue et coordonnée. Pour renforcer le théâtre des dons à Avignon, il y a encore un point qui a fait l'objet d'attention de la Cour des comptes dans son 32e cahier d'observation adressé au Parlement de Wallonie. La Cour mentionne en effet que depuis 2006, elle adresse une remarque récurrente concernant le théâtre des dons à Avignon, qui appartient à la communauté française, mais dont le CGRI, devenu BBI, devait devenir copropriétaire à 50% au terme d'un acte notarié. Et donc, je cite la Cour des comptes, « WBI est toujours dans l'attente de la signature de cet acte et, de ce fait, ne valorise pas celui-ci à l'actif de son bilan. Les courriers de l'administratrice générale de WBI adressés au secrétariat général de la communauté française en juin 2018 et en septembre 2019 sont restés sans réponse. » Je ferme la citation. Donc, je voulais savoir ce qu'il en est. Comment expliquez-vous cette absence de réponse? Quels sont les impacts de ce silence? Et aujourd'hui, qu'en est-il? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Reichmans. Nous allons maintenant vers Madame Emery pour sa question sur la subvention du Théâtre des Dons. Merci, Monsieur le Président. Alors, le Théâtre des Dons n'est plus à présenter. Comme nous le savons tous, sa mission principale est de contribuer à la promotion et à la diffusion des œuvres et des artistes issus de notre Fédération Wallonie-Bruxelles. Géré par une ASBL constituée de professionnels des arts et de la culture basés à Avignon et financés principalement par Wallonie-Bruxelles International, ils participent fort heureusement au rayonnement de projets artistiques en promouvant la diffusion internationale, en particulier vers la France, de spectacles professionnels issus de toutes les disciplines, essentiellement en art de la scène, créés par des artistes de la Fédération. On peut effectivement dire, comme le cite un article paru récemment, que le Théâtre des Dons est l'ambassade culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles en France. Les compagnies qui y sont programmées étant programmées ensuite durant plusieurs mois à travers ce pays. Ce rayonnement est une grande opportunité pour nos artistes, surtout en cette période si difficile pour eux. Le conseil d'administration du Théâtre des Dons vient de signer son nouvel accord programme prévoyant donc sa subvention annuelle passée de plus de 689 000 euros en 2020 à 834 000 et plus, ce qui correspond, et c'est vraiment notable, à une augmentation de 21%. En outre, un plan d'investissement à hauteur de 300 000 euros est aussi prévu afin d'exécuter de nombreux travaux en vue d'améliorer l'accueil des artistes et du public. Vous avez précisé, Monsieur le Ministre Président, dans la presse, qu'il s'agirait donc d'un plan triennal, voire quadriennal, sur le budget rayonnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les travaux prévus devraient débuter en 2022 et consister en un réaménagement de l'espace afin de pouvoir notamment recevoir le public de façon couverte, la création d'une scène en extérieur dans le jardin attenant au théâtre, l'accueil des personnes à mobilité réduite, ce dont nous nous réjouissons.
Ce qui également me paraît intéressant à souligner dans vos propos, c'est que cette majoration budgétaire ciblera plusieurs focus, dont en particulier le théâtre jeune public. 20 000 euros seront consacrés chaque année spécifiquement à ce secteur, et le secteur du cirque avec une subvention de 25 000 euros. Une attention particulière sera portée également à l'importance de trouver d'autres lieux de diffusion pour la danse. Ces trois secteurs, théâtre jeune public, cirque et danse, ayant fait l'objet de mes questions parlementaires récentes au sein de ce Parlement en commission de la culture, vous pouvez imaginer donc ma joie à la lecture de ces propos. Dans la subvention, un subside de 15 000 euros annuels sera désormais consacré pour la promotion de la francophonie en dehors de la période du Festival d'Avignon. Le Théâtre des Dons participera par ailleurs au Festival Festo Piccio, destiné donc au jeune public et qui rayonne sur toute la région. Une attention sera également portée aux artistes en résidence. 14 seront désormais accueillis au lieu de 4 jusqu'à présent. En plus de l'accueil, une véritable aide à la communication leur sera apportée afin de leur offrir en cours de création des outils visuels à présenter aux professionnels de la production. Des aides et conseils en stratégie de diffusion par des professionnels leur seront proposés, à l'instar de ce qui se faisait déjà avec les compagnies dans le cadre du festival, mais pas encore avec les compagnies en résidence. Enfin, pour la première fois, les résidents seront rémunérés par le Théâtre des Dons, ce qui est un grand pas pour ces artistes. Alors, j'en viens donc, Monsieur le Président, à mes interrogations. Ce dossier est aussi l'occasion de faire le point avec vous sur les mesures de soutien à la diffusion internationale de nos artistes dans le contexte de la crise sanitaire. Pouvez-vous dès lors nous informer sur la manière dont vont s'opérationnaliser ces différents volets en partenariat avec les acteurs concernés? Je vous remercie. Merci. Je cède maintenant la parole à Monsieur le Ministre Président pour les réponses. Merci, Mesdames les députées. Inutile de vous dire évidemment que je suis très heureux de la signature de ce nouvel accord programme et j'espère que vous l'êtes également. Mais c'est en tout cas la tonalité de vos interventions parce que c'est un momentum important que cette signature de ce nouvel accord qui passe d'ailleurs de 4 ans à 5 ans, une année complémentaire, ce qui permettra au Théâtre des Dons une plus grande stabilité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport aux aides quant à la diffusion internationale. Madame Emery l'a dit, et je l'ai dit dans l'entretien que j'ai eu avec le directeur du théâtre au soir, le Théâtre des Dons est pour nos artistes l'ambassade culturelle en France, et j'ajouterai aussi avec le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, on a la chance d'avoir pour nos artistes des ambassades culturelles en France, et c'est évidemment un élément très important. On a dit aussi que, on a parlé des aides quant à la diffusion internationale, je pense que j'ai déjà répondu en détail à M. Matagne, simplement reprendre les trois types d'aides qui sont prévus par le gouvernement, et le dernier train a été adopté jeudi en gouvernement. C'est d'abord la majoration et l'adaptation des outils existants proposés par WBI. Deuxième type d'aide, le développement de mécanismes complémentaires visant à la professionnalisation du secteur pour aider nos artistes à s'exporter davantage. Et troisième élément, le redéploiement de la culture. Et donc, les mesures que nous avons prises pour la diffusion internationale de nos artistes jeudi dernier, c'est un peu plus de 2 400 000 euros. Et à cela vient s'ajouter les mesures qui avaient déjà été décidées au conclave budgétaire, c'est-à-dire 1,5 million d'euros à la diffusion internationale. On est à 4 millions d'euros. On ajoute encore 1 million sur le budget 2020 par rapport à des aides à la diffusion internationale. On est à 5 millions d'euros et 1 million d'euros au fonds de garantie cinéma. Donc vous voyez quand même des montants importants pour soutenir la diffusion internationale. Par ailleurs, pour revenir au théâtre des dons, on a évoqué donc cette augmentation de 21
3,3%, puisque c'est une augmentation de 144 900 euros pour arriver à une subvention annuelle de 834 776 euros. Ce n'est pas une augmentation, petit bonhomme la chance, c'est une augmentation qui a été concertée avec la direction et toute son équipe pour porter des points d'attention à la programmation et à l'activité du Théâtre des Dons à Avignon. Alors, nous avons intégré la subvention CIRC, qui est dans la subvention globale Wallonie-Bruxelles internationale. C'était 25 000 euros, mais qui était octroyé par le cabinet ayant en charge la promotion de Bruxelles. C'est un geste fort parce que nous pérennisons ce montant dans la subvention pour les 5 années qui viennent et nous ouvrons la subvention CIRC de manière égale, tant pour les artistes bruxellois que wallons. Deuxième élément de l'augmentation, c'est l'augmentation de la prise en charge forfaitaire du festival, une augmentation de 45 000 euros. Revaloriser ce poste représente aussi un geste fort pour les artistes, car c'est un poste qui les touche directement, et c'est vrai que ces montants n'avaient jamais été indexés. Troisième élément de la revalorisation, c'est la subvention francophonie, qui était une subvention de WBI de 10 000 euros. On la majore à 15 000 euros, et cette somme rentre aussi écoulée dans l'accord programme, ce qui pérennise cette subvention. Et vous savez que la francophonie est une des priorités du gouvernement et de la note de politique internationale. Quatrième élément, la demande de prise en charge forfaitaire des artistes en résidence, évoquée par Mme Emery, c'est un élément important parce que ça participe à la rémunération des artistes en résidence, qui devient un nouveau levier de relance professionnelle de ce secteur et surtout en ces temps de Covid. Cinquième élément, c'est l'accompagnement en fabrication d'images autour des spectacles en résidence ou dons. En intégrant cette valorisation financière dans le nouvel accord programme, j'ai voulu encourager le numérique et de plus, la crise du coronavirus a rendu ce support incontournable puisqu'il permet à une œuvre essentiellement présentielle de pouvoir exister aux yeux des programmateurs. Et puis, il y a encore aussi une valorisation par rapport à l'accompagnement en diffusion des compagnies et artistes en résidence ou don. Et par ce biais, nous soutenons le rayonnement des créations belges francophones touchées durement à cause de la crise. Enfin, septième élément, au niveau du budget, il y a un focus théâtre jeune public, 20 000 euros supplémentaires chaque année parce que ce secteur comporte un grand potentiel de diffusion en France. Et on le sait, les compagnies qui sont programmées au Théâtre des Dons sont programmées des mois et pouvoir aller parfois jusqu'à un an en France, qui est un élément important. Donc, vous le voyez, une augmentation du budget importante, intégrant la francophonie, intégrant les cirques, intégrant le théâtre des jeunes publics, intégrant un soutien des artistes en résidence, un soutien à la diffusion au numérique et la diffusion des compagnies. Et donc, tout ça, et ce sont évidemment des éléments, je pense, positifs pour nos artistes et leur diffusion à l'international. C'est clair que j'ai souhaité aussi que soient investiguées par le Théâtre des Dons de nouvelles locations de tranches horaires lors du Festival d'Avignon afin de permettre à un nombre plus important d'artistes de se produire sur place. Autre élément qui a été, ce n'est pas dans l'accord cadre, mais je me suis engagé à avoir un plan de travaux, un plan triennal qui commencerait probablement en 2022, sur 2022, 2023, 2024. Ce sont des travaux à hauteur de 300 000 euros, non seulement pour le public, mais bien évidemment aussi pour le confort et l'accueil des artistes. Donc ça vient en complément à l'accord programme du Théâtre des Dons. Enfin, concernant vos questions et les questions de Mme Ricquemans, je vous rappelle que, comme je l'ai signalé précédemment, les travaux concernant le projet de décret sur les directions en art de la scène sont en cours. Ils font en ce moment l'objet de concertations avec le secteur culturel. Il est dès lors sage de laisser le processus de consultation suivre son cours et de ne pas faire de déclaration au moment même où les professionnels de la culture sont appelés à s'exprimer. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur ce point ultérieurement. Pour le volet relatif à la remarque de la Cour des comptes relativement à la régularisation de la copropriété du Théâtre des Dons, c'est le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a la main et qui a eu les différents contacts notariaux utiles. WBI a relancé les collègues de la Fédération Wallonie-Bruxelles à cette fin pour finaliser le dossier qui aura
un impact financier certain, puisque les frais notariaux seront à prendre en charge. Cela n'enlève évidemment rien notre capacité d'action sur le bien, notamment en termes de travaux et d'aménagement. La volonté politique lors de l'achat du théâtre était bien de confier la copropriété à la communauté française et pas au CGRI, en utilisant une partie du bénéfice reporté de l'organisme. Voilà, mesdames les députées, j'espère avoir été le plus complet et le plus exhaustif possible, mais je vous remercie aussi du partage, de l'enthousiasme que nous avons à avoir signé cette convention qui est évidemment un plus indéniable pour nos artistes sur la scène internationale. Merci. Nous allons maintenant vers les répliques, en commençant par celle de Madame Laruelle. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Président. Votre enthousiasme est évidemment partagé, et ce d'autant plus qu'on vit une crise sans précédent qui impacte fortement le secteur culturel. Par-delà le secteur culturel, évidemment, tous ceux qui travaillent, qui y sont occupés, que ce soit les artistes, que ce soit tous les autres corps de métier. Je voudrais évidemment souligner particulièrement votre volontarisme, votre sens du dialogue et du compromis. Comme vous l'avez expliqué, cette augmentation, elle est évidemment réfléchie, mais elle est surtout concertée avec les équipes en place, et je suis vraiment persuadée que cet effort plus que substantiel de votre gouvernement est non seulement apprécié, mais sera également très utile dans le cadre de la diffusion de notre culture par-delà nos frontières. Je vous remercie. Merci. Madame Reichmann, c'est à vous pour votre réplique. Oui, mais je remercie le ministre président pour le rappel de toutes les précisions et de tous les moyens qui sont débloqués. Il est important, évidemment, il l'a fait, de distinguer les aides récurrentes et les aides ponctuelles en cause du Covid. Mais la récurrence des actions et des moyens qui sont mis, c'est vraiment tracer une route qui permet un maximum d'emplois artistiques et un rayonnement pour eux, pour tous ces artistes. Le théâtre des dons, c'est vraiment une institution qui est au service des équipes artistiques et qui tient compte du très grand potentiel, le ministre l'a rappelé, du grand potentiel du théâtre jeune public, mais aussi du cirque, des arts forains et des arts de la rue, qui sont finalement des fers de lance de notre politique créative. Et donc, j'entends bien que la concertation est en cours pour ce qui concerne le décret gouvernance. On est vraiment bien dans l'optique de développer l'ensemble de la maison du théâtre des dons et de le faire avec l'équipe et le CA. Et je me réjouis, comme il l'a fait et comme mes collègues le font, de ces moyens accrus qui sont absolument nécessaires en ces temps particulièrement difficiles. Merci. Madame Emery, c'est à vous pour votre réplique. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je dois remercier évidemment le ministre pour les précisions qu'il nous a apportées. Et surtout pour nous avoir en tout cas donné l'ampleur des moyens que le gouvernement va consacrer et consacre aux mesures de soutien à la diffusion internationale des artistes, là d'une manière générale. Et sur la question des dons, on voit que en tout cas la renégociation de l'accord a été mûrement réfléchi, et je pense qu'il balaye les choses de manière optimale. Je crois aussi qu'il a eu raison de mettre l'accent sur les secteurs du cirque en particulier. Et ce que le ministre président n'a pas dit, mais je l'ai lu, donc je suppose que ce que j'ai lu est correct, il y a aussi une attention particulière qui sera portée donc à la danse, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la lecture de mon texte, puisque là aussi, on va essayer, en tout cas, de pouvoir lui donner un maximum, de créer un maximum de lieux de diffusion. C'est important. Le cirque, la danse sont des secteurs largement ouverts vers l'international. Et donc, je pense que ces deux focus-là, en tout cas, étaient particulièrement intéressants à mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci, Madame Emery. Alors, nous avons maintenant deux questions groupées, dont je suis un des auteurs. Donc, est-ce que je peux demander à Madame Reichmann de prendre la présidence? Aucun problème, Monsieur le Président. Donc, je reprends le programme. Voilà. Donc, je vais maintenant donner la parole à deux parlementaires pour leurs questions groupées. D'abord, à Madame Gwenaëlle Grosvenus pour sa question sur l'accessibilité des vaccins contre le coronavirus au niveau mondial.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre-Président, le 29 janvier 2021, il y a donc l'APF a voté une résolution visant à faire des vaccins contre la COVID-19 un bien commun universel. Alors il s'agit d'une initiative d'un intérêt majeur qui mériterait sans aucun doute d'être soutenue par notre Assemblée. Et je pense d'ailleurs ne pas me tromper en vous annonçant que mon groupe proposera prochainement une résolution en ce sens à l'attention de l'ensemble de mes collègues. Alors, en ce qui concerne l'accessibilité des vaccins, il y a eu plusieurs expressions, hein, notamment celle du directeur général de l'OMS, qui a déclaré le 18 janvier dernier que le monde ferait face à un échec moral catastrophique si les pays riches accaparaient les vaccins contre la COVID-19 au détriment des pays pauvres. Il a ajouté, je cite, « Le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde. » Cette crainte, elle est relayée par Oxfam, par Amnesty International, Amnesty International qui met en garde sur le fait que les pays riches accumulent les doses, le potentiel salvateur des vaccins risque donc d'être mis à mal par les inégalités, le manque de coopération et les intérêts des entreprises. Cette pandémie, elle a une portée mondiale, les conséquences sanitaires sont dramatiques et nous savons toutes et tous que les conséquences économiques et sociales le seront évidemment tout autant. La seule certitude que nous avons aujourd'hui sur ce virus, c'est qu'il est impitoyable avec les plus faibles et qu'il provoque encore plus d'inégalités et qu'il y a également de multiples variantes. Alors la vaccination débute, et c'est une première étape pour enrayer la propagation de ce virus, mais elle ne doit pas elle-même être vectrice de nouvelles inégalités. Alors vous aviez été interrogé lors de la plénière du 20 janvier dernier, notamment sur les craintes formulées par l'OMS et Amnesty, et vous avez alors souligné que les leviers d'une action européenne devaient être activés pour répondre à une répartition équitable de la vaccination. Vous avez également souligné que des réunions européennes devaient aborder le sujet lors de la semaine du 25 janvier. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre-Président, je reviens vers vous avec les questions suivantes. Pouvez-vous nous faire un retour sur cette discussion au niveau européen et la position qui a été défendue sur le sujet ? Quelle a été la position de la Belgique dans ce cadre et comment la Fédération Wallonie-Bruxelles y a-t-elle contribué? Et comment, Monsieur le Ministre-Président, nos relais de coopération comme WBI pourront-ils s'inscrire dans un objectif de plus grande solidarité et d'égalité permettant un accès aux vaccins pour tous les pays? D'avance, merci pour vos éléments de réponse. Merci Madame Grosvenu. Je cède donc la parole à Monsieur Kerkhoffs pour sa question sur le rapport d'Oxfam sur le virus des inégalités et l'accès universel aux vaccins. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre-Président, le tout récent rapport d'Oxfam intitulé « Le virus des inégalités » constate qu'un petit groupe de pays a acheté la moitié de l'approvisionnement mondial en vaccins les plus efficaces. Au dernier chiffre, on parle même de 60%, alors qu'il ne représente que 14% de la population mondiale. Il conclut que les gouvernements du monde devraient exiger le libre examen aux brevets et aux technologies nécessaires afin de garantir un approvisionnement suffisant en vaccins et répondre aux besoins de tous les pays du monde. Fin de citation du rapport Oxfam. Donc cela fait écho au débat mené du 26 au 29 janvier par l'Assemblée des parlementaires francophones. Celle-ci se demande en effet de quelle manière l'espace francophone traversera cette période de bouleversement, quel doit être le rôle de la francophonie, de l'APF et de l'OIF, ou encore comment favoriser un accès universel et équitable aux vaccins et produits de lutte contre la COVID-19 et toute autre épidémie. À une question d'actualité de Madame Bernard le 20 janvier,
Vous avez répondu qu'une réunion entre les chefs d'État et de gouvernement européens ainsi qu'un Conseil européen des affaires étrangères allait discuter de la stratégie de vaccination concernant les pays tiers. Alors voici mes questions. Monsieur le ministre président, avez-vous eu un retour du débat mené par l'Assemblée des parlementaires francophones ? A-t-elle émis des propositions concernant l'accès universel au vaccin ? Si oui, quelle analyse en faites-vous ? Avez-vous eu des échos des réunions européennes ? Ont-elles abouti à des décisions allant dans le sens d'une meilleure répartition des vaccins dans le monde ? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Monsieur le ministre président, pour vos réponses. Merci, madame et messieurs les députés. Au niveau de l'Union européenne, tant la Commission que le Conseil et donc les États membres considèrent qu'il est essentiel d'assurer une vaccination maximale partout dans le monde, que ce soit d'un point de vue sanitaire, de solidarité et de coopération internationale ou encore de défense des intérêts géopolitiques de l'Union. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, l'a encore rappelé le 19 janvier dernier, je la cite, « Nous ne mettrons fin à cette pandémie que lorsque toute la population mondiale aura accès au vaccin. Nous intensifierons nos efforts pour aider nos voisins et nos partenaires dans le monde à obtenir des vaccins. » Fin de citation. Dans ce contexte, cette question est abordée au niveau des dirigeants européens et du Conseil Affaires étrangères, ce qui a débouché sur un certain nombre de décisions et initiatives en faveur d'un meilleur accès aux vaccins, que la Belgique a à chaque fois soutenu. Comme la Belgique, la plupart des États membres ont aussi souhaité qu'il y ait en la matière une approche unique et coordonnée au niveau de l'Union européenne. Afin de garantir un accès rapide aux vaccins, la Commission va mettre en place un mécanisme de répartition des vaccins dans le cadre de Team Europe, équipe d'Europe, destinée à structurer la fourniture de vaccins que les États membres partageront avec des pays partenaires. Cela devrait permettre de partager l'accès à une partie des 2,3 milliards de doses obtenues dans le cadre de la stratégie de vaccination de l'Union européenne avec des pays partenaires, en particulier dans les Balkans occidentaux, dans notre voisinage méridional et oriental et en Afrique. La Commission européenne et les États membres devraient par ailleurs continuer d'apporter leur soutien au mécanisme multilatéral COVAX, destiné aux pays à faibles et moyens revenus, notamment par un accès rapide aux vaccins. Team Europe a déjà mobilisé 853 millions d'euros en faveur de COVAX, ce qui fait de l'Union européenne l'un des principaux donateurs de ce mécanisme. Cette volonté de renforcer l'accès aux vaccins a été confirmée au plus haut niveau lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne le 21 janvier dernier. Lors des concertations intra-belges auxquelles la Fédération Wallonie-Bruxelles est bien entendu associée, le principe de solidarité et la nécessité de stabiliser la situation sanitaire ont ainsi été soutenus et cette initiative devrait aller au-delà de la mise à disposition de doses de vaccins et également inclure d'autres éléments comme le partage des connaissances ou le soutien aux structures de santé présentes dans les pays tiers. Au niveau des relais de coopération, là où EBI dispose de relais, comme les délégations générales, les bureaux EBI, APFE, les agents de liaison scientifiques, agents de liaison académiques et culturels, ceux-ci chercheront bien entendu à s'informer sur la disponibilité des vaccins et leur accessibilité pour la population. Quant à la séance plénière de l'APF, celle-ci s'est tenue le 28 et 29 janvier. Je ne dispose pas à ce stade d'informations précises concernant les conclusions. Je vous remercie. Je donne la parole à Mme Grovenius pour sa réplique. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre Président pour vos éléments de réponse. Alors, pour cette réplique, je pense que je vais m'inspirer largement des dernières déclarations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En gros, ce qu'il dit, c'est que, bien, à l'heure où la pandémie pousse de nombreux pays à fermer leurs frontières, eh bien, nous avons un devoir moral de ne pas fermer les frontières à la solidarité. Et malheureusement, on doit bien constater qu'aujourd'hui, à l'heure où la science progresse chaque jour, grâce notamment à des investissements publics massifs, eh bien, la solidarité, elle, reste finalement à la traîne. Et donc, il est essentiel qu'on parvienne à faire en sorte que ces vaccins soient vraiment reconnus comme des biens communs,
universels. Ils doivent être disponibles pour toutes et tous à un coût abordable, parce que dans le cas contraire, je pense que nous encourageons un monde où certains ont des vaccins et d'autres pas, et on encourage dès lors aussi un monde où finalement il n'y aura qu'un seul vainqueur, et ce vainqueur, ce sera le virus. Monsieur Kirchhoff, pour votre réplique. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre Président pour votre réponse. J'aurais effectivement une réponse en trois points. D'abord, je veux quand même signaler que même si on oublie toute solidarité, et je n'ai pas l'intention de l'oublier bien sûr, je dirais que l'intérêt collectif de chacun d'entre nous est qu'un maximum de personnes soient vaccinées, pas seulement en Belgique ou en Europe, vous l'avez d'ailleurs souligné, mais bien dans le monde, on le voit avec les nombreux variants, on parle du variant britannique, il y a aussi le variant sud-africain, il y a d'autres variants, il peut y en avoir encore d'autres, donc même dans cette simple logique-là, nous ne serons vraiment tranquilles, je dirais rassurés, ou en tout cas dans une situation bien meilleure que maintenant, que lorsque l'essentiel de la population mondiale sera vaccinée, ça c'est une première chose. Deuxièmement, évidemment, si nous voulons mettre en pratique les valeurs que nous proclamons, parfois, que ce soit ici, à ce stade, au niveau de cette institution, ou au niveau belge, ou au niveau européen, nous avons des grands principes que nous proclamons régulièrement. Nous n'avons pas toujours l'occasion de les mettre en pratique. C'est une très bonne occasion ici de le faire. Alors j'espère que les mécanismes que vous avez mentionnés seront vraiment très concrètement mis en route et implémenté, et que ce ne sera pas évidemment à dose homéopathique. Je pense que c'est vraiment une bonne occasion de mettre en place les valeurs de solidarité. Et je voudrais terminer effectivement en disant, Madame Grosvenus y a fait allusion, les multinationales pharmaceutiques qui ont mis au point ce vaccin ont bénéficié largement d'argent public. Elles sont très tentées, semble-t-il, même d'ailleurs entre pays plus développés, de faire jouer parfois la concurrence en favorisant les plus offrants. C'est totalement inacceptable et indécent dans cette situation, et je pense qu'on peut leur forcer un peu la main, étant donné l'argent public dont elles ont bénéficié, pour qu'elles puissent également en faire bénéficier les pays très en voie de développement, les pays du tiers-monde. Je vous remercie. Merci Monsieur Kirchhoff. Je vous rends la parole pour assurer la présidence. Merci Madame Reichmans, et je vous la rends aussitôt pour votre question sur la situation sécuritaire et humanitaire au Sahel. Merci bien. Monsieur le ministre président, le 22 janvier dernier, Le Monde titrait « Plus de 2 millions de personnes déplacées dans le Sahel en 2020, un triste record ». Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, cela est le résultat des violences incessantes provoquées par la présence des groupes djihadistes dans la région. La situation est particulièrement inquiétante car le nombre de personnes déplacées dans leur propre pays au Sahel a quadruplé en 2 ans, puisqu'il n'y avait que 490 000 personnes déplacées internes au début 2019. La plupart des nouveaux déplacés sont au Burkina Faso. Dans le pays, les attaques djihadistes qui ciblent régulièrement des églises et des religieux ont fait près de 1 200 morts depuis 2015, vous l'avez rappelé, et on vient d'évoquer l'assassinat le jeudi 21 janvier, enfin le fait qu'on ait retrouvé mort le 21 janvier un prêtre dans une forêt du sud-ouest du Burkina. Le sud-ouest qui était, vous l'avez rappelé, d'abord moins touché par les attaques que le nord et l'est du pays, qui est peu à peu devenu une zone de présence djihadiste, ce qui témoigne de l'enlisement de la crise. Il est évident que les mouvements rebelles terroristes se disséminent maintenant dans l'ensemble des pays du Sahel. Le Burkina est l'un des pays les plus touchés et fait encore l'objet, depuis le 31 décembre, d'une série d'attaques armées, notamment contre la ville de Koumbri et des villages voisins, qui ont entraîné le déplacement de plus de 11 000 personnes, essentiellement des femmes et des enfants. Alors, outre les dossiers et les partenariats culturels rappelés par ma collègue, nous savons, et vous l'avez cité, le programme relatif à l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel au nord du Burkina Faso, et dont l'APF est partenaire. Celui-ci, donc ce programme, a été fort impacté à la fois par la situation sécuritaire et par la crise sanitaire ces derniers mois. Ce programme a-t-il pu reprendre ses activités? Quelle est la situation de la pandémie sur place? Il s'agit évidemment d'un programme qui contribue indirectement à la lutte contre le terrorisme, principalement par son appui à la gestion durable des terres, et il me semble donc essentiel que WBI puisse agir par son intermédiaire.
Un de mes collègues a attiré il y a quelques mois votre attention sur le fait que le secrétariat permanent des ONG burkinabé, donc le SPONG, avait indiqué que le travail des ONG et des associations locales était mis à mal par l'intensification des impacts sanitaires et socio-économiques de la crise de la COVID-19. La situation a-t-elle été réévaluée depuis lors? Comment la Fédération Wallonie-Bruxelles honore-t-elle ses relations avec ce pays, qui est un pays prioritaire de la coopération, puisque nous avons un accord de coopération qui date de plus de 20 ans, c'est le 4 février 1998 que cet accord a été signé. Alors un deuxième pays évidemment impacté, c'est le Niger, qui est un des pays les plus sous-développés au monde, classé 189e par son indice de développement humain dans le classement du PNUD pour le développement, soit le pays avec le plus faible indicateur de développement humain au monde. Et ce pays est de plus en plus touché par la situation sécuritaire de la région, ce qui n'arrange évidemment pas le sort de la population, bien au contraire. Alors, ce 2 janvier, une centaine de personnes ont été tuées dans l'attaque de village par des groupes armés non étatiques, plusieurs autres personnes ont été blessées et des moyens de subsistance de ces communautés ont été détruits. À l'heure actuelle, je constate que le Niger ne figure pas dans les pays partenaires de WBI. Il n'y a aucun projet de développement justifiant un soutien matériel de la part de la Fédération sur place. Monsieur le ministre président, pouvez-vous nous en donner là où les raisons? Est-ce que des tentatives d'accords de coopération ont déjà eu lieu avec cet État? Le Niger dispose-t-il d'une aide de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles par un autre biais? Et la Fédération a-t-elle des projets dans ce pays? Si oui, lesquels? Et sinon, des projets sont-ils envisagés? Au Mali, lors du coup d'État du 18 août dernier, l'OIF a su réagir très rapidement en suspendant le Mali de ses instances dès le 25 août, ce qui s'était d'ailleurs déjà produit immédiatement après le coup d'État du 22 mars 2012, tout en maintenant les actions de coopération bénéficiant directement aux populations civiles ainsi que celles concourant au rétablissement de la démocratie. Et je voudrais rappeler que le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné sa part dans ce travail et on se souviendra avec émotion de l'attentat qui a coûté la vie à Geoffrey Dieudonné à Bamako en 2015. Il s'est agi là d'un travail important pour faire vivre la démocratie et les droits humains. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Le Mali n'étant pas un des pays partenaires de la Fédération, comment la Fédération peut-elle y apporter son soutien, si ce n'est par l'intermédiaire de la francophonie? Des discussions sont-elles établies avec la France, qui a des relations bilatérales très fortes avec ce pays? Par ailleurs, quel est votre avis sur l'engagement militaire de la Belgique aux côtés de la France, donc ex-puissance coloniale? Est-ce que vous participez aux discussions à ce sujet au niveau fédéral? Et que pensez-vous de la stratégie du triple nexus, donc sécurité, urgence, développement, qui est actuellement soutenue par le niveau fédéral? Cette stratégie donc de nexus qui vise à combiner divers éléments plutôt que de les opposer ou de les envisager séparément. On sait que ce projet vise notamment à inclure les ONG dans les briefings sur la situation sécuritaire et militaire. En retour, ces ONG livrent leurs informations. Mais il s'avère aujourd'hui que cette stratégie ne va que dans un sens. Les services de sécurité ont disposé des informations sécuritaires livrées par les ONG et ont refusé d'assurer un feedback avec elles, vers elles, contrairement à l'esprit de ce nexus. Ce refus de partage d'informations pose évidemment question et les acteurs de coopération et des projets de développement rapportent leur malaise à l'idée de travailler avec la défense via le transfert d'informations sécuritaires, si effectivement le retour d'informations ne se fait pas et si ça ne leur permet pas d'agir de manière plus pertinente dans leur action humanitaire, qui sont de plus en plus des projets et des soutiens humanitaires plutôt que de développement. Et donc, il faudrait selon moi que la stratégie défense et la stratégie développement soient bien dissociées et que la stratégie de défense ne reprenne pas le dessus ou ne prennent pas le dessus sur celle du développement. Je pense personnellement que la présence d'armées étrangères peut s'avérer contre-productive. Il est, selon moi, préférable que la Belgique forme les armées locales. Et par ailleurs, et pour rappel, toute mission militaire à l'étranger requiert un mandat ferme de droit international. Or, avec l'opération Barkhane, ce mandat n'existe pas. Je pense que donc la Belgique ne doit surtout pas rejoindre une telle mission qui nous mettrait en mauvaise situation sur place.
Alors, ces cinq pays majoritaires du Sahel, le G5S, comme vous l'avez rappelé, qui a été créé en février 2014, donc Mauritanie, Mali, Burkina, Niger et Tchad, ainsi que le Sénégal, qui est également un pays situé dans la zone du Sahel et au sein duquel il existe une délégation générale de l'OEBI à Dakar, sont tous membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre fédération entretient donc des liens au moins linguistique et culturel, avec chacun d'eux. Alors, on le sait, et ça a été évoqué par d'autres de mes collègues, la 46e session de l'APF vient tout juste de s'achever la semaine dernière. Elle a eu lieu en virtuel du 26 au 29 janvier. Je voulais savoir ce que vous pouvez nous en dire et si la situation au Sahel a bien été évoquée. Vous nous disiez le 7 décembre dernier que Mme Louise Mouchi-Kiwabo, secrétaire générale de la francophonie, s'était exprimée à ce propos en septembre au Conseil de sécurité des Nations Unies en disant que l'OIF souhaitait accroître sa contribution au maintien de la paix dans la région et qu'elle avait donc confirmé l'investissement croissant de la francophonie au Sahel au profit de la bonne gouvernance, de la stabilité et de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Qu'en est-il dans les faits? Pouvez-vous nous rapporter les actions concrètes qui ont été menées dans ce sens? Et finalement, Monsieur le Ministre Président, quelles sont les actions menées par la Fédération dans cette région du Sahel, vaste comme l'Europe? Comment notre Fédération apporte-t-elle son soutien à la population et en particulier aux femmes et aux enfants qui sont souvent les premières victimes impactées dans ce genre de crise? La situation sécuritaire est-elle régulièrement évaluée? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Ministre Président. C'est à vous. Merci, Madame Rickmans. La situation sécuritaire au Sahel reste, comme vous l'indiquez, instable et très préoccupante. Nous sommes très régulièrement informés de la situation par notre délégation générale à Dakar et le bureau OEBI et APF à Ouagadougou. Les questions militaires ne sont pas du ressort de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre action relève davantage du renforcement de la résilience des autorités et des sociétés civiles. Je peux néanmoins vous indiquer que la Belgique a un accord de coopération militaire avec le Niger depuis 2003 et que les forces belges sont présentes au Mali via la mission de formation de l'Union européenne et la MINUSMA. Au Burkina Faso, la dernière commission mixte s'est tenue en 2017. La lutte contre la désertification pour l'accès à l'eau et pour l'assainissement sont des composantes du développement durable et de lutte contre la pauvreté. Notre expertise est d'ailleurs reconnue et sollicitée de fort longue date à ce sujet. La coopération culturelle constitue un autre axe fort de notre coopération, car la culture est un véritable outil de développement, de création d'emplois et de croissance. La contribution conjointe de l'APF et de l'OIBI à l'initiative Grande Muraille Verte participe au rétablissement de la sécurité dans la zone sahélienne. Le projet constitue un réel processus participatif au bénéfice des populations occupant les territoires concernés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il participe également à la lutte contre la pauvreté dans cette région. En ce qui concerne le soutien de la Fédération au Burkina Faso en cette période de crise, il s'est amplifié, plus particulièrement par rapport à la société civile que vous évoquez. À ce jour, au niveau de la coopération bilatérale indirecte, le soutien de la Fédération se concrétise au travers de 10 projets en cours pour un montant de 335 136 euros, pour être précis. Ces projets sont menés par des ONG, ASBL et pouvoirs locaux, notamment dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de l'éducation, de la santé, du travail décent et de l'urgence climatique et environnementale. Dans la région du Sahel, le Sénégal est un autre pays partenaire prioritaire. Dans le cadre de la coopération bilatérale indirecte pour l'année 2020, le soutien de la Fédération au Sénégal concerne 15 projets en cours pour un montant de 362 251 euros. En ce qui concerne le Niger et le Mali, ces pays ne sont pas des partenaires prioritaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. Néanmoins, nous agissons via la francophonie qui est active dans la région sahélienne dans ces pays. Au niveau des initiatives de la francophonie, il convient de souligner notamment, au titre de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, l'étude internationale sur les dispositifs de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, réalisée par un consortium de centres de recherche avec l'appui de la Fédération et de l'OIF dans le cadre du réseau FrancoPREF, le réseau de prise en charge des extrémismes et des radicalismes violents, dont la Fédération assure la coordination du comité de pilotage. Par ailleurs, la mise en place du projet Radio Jeunesse Sahel, initié par l'OIF, bénéficiera aux populations du Mali, de Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. La création, toujours par l'OIF, d'un fonds de solidarité, dont je vous ai déjà parlé, la francophonie avec elle, visera à venir en aide aux filles et aux femmes francophones en situation de vulnérabilité.
rappelle que la Fédération Wallonie-Bruxelles y a contribué à hauteur de 500 000 euros. Finalement, rappelons que lors de la 112e session du Conseil permanent de la francophonie, en novembre 2020, les États et gouvernements membres de l'OIF ont décidé de prononcer la levée de la suspension de la République du Mali de l'OIF, qui était appliquée depuis le 25 août 2020. Nous resterons bien entendu très attentifs aux conclusions des commissions et réseaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, particulièrement par rapport au suivi réservé à l'accord de partenariat signé entre le Comité interparlementaire des pays du G5 Sahel et de l'APF. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Madame Reichmann, c'est à vous pour votre réplique. Je remercie Monsieur le Ministre Président pour le rappel de tous ces engagements et de tous les projets qui sont menés. L'étude sur les dispositifs de lutte contre la radicalisation, ce serait intéressant éventuellement, si elle est terminée, que nous puissions la consulter, que nous puissions en discuter. Et je le remercie pour avoir rappelé effectivement la levée de la suspension du Mali de la suspension du Mali, de la présence à l'OIF. Et je rappelle la nécessité de continuer, comme se l'est fait pour l'instant, la poursuite des projets, en focalisant sur la poursuite des projets de sécurité alimentaire qui sont portés par les ONG de développement, et d'être attentif à leurs interpellations, ou en tout cas leurs inquiétudes par rapport à ce nexus qui est en train de se préparer. Et donc, j'insiste pour que le ministre-président puisse prendre contact ou, en tout cas, être attentif à ce qui se discute et se décide au niveau du fédéral. Merci. Merci. Nous allons maintenant, je vais céder la parole à Madame Deray pour sa question sur le statut du lanceur d'alerte. C'est à vous, Madame Deray. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression de venir troubler un échange entre Monsieur Kerkhoff et Madame Reichmann depuis deux questions. Non, blague à part, je voulais venir ici, Monsieur le Ministre, avec un sujet qu'on aborde assez peu souvent, qui est celui des lanceurs d'alerte. Alors, Amnesty avait défini le terme comme une personne qui, dans le contexte de sa relation au travail, révèle ou signale un état de fait mettant en lumière des comportements illicites ou dangereux qui constituent une menace pour l'homme, l'économie, la société, l'État ou l'environnement, c'est-à-dire pour le bien commun et l'intérêt général. Alors, le lanceur d'alerte est donc un élément important de la société, de par sa volonté, évidemment, de changer les choses. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs reconnu que le fait de lancer l'alerte était en fait une extension du droit à la liberté d'expression, et donc quelque chose qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur. Les lanceurs d'alerte dérangent, et c'est vrai qu'en cela, il faut davantage les protéger. L'an dernier, un projet de loi à un autre niveau de pouvoir envisageait 5 000 euros d'amende et de la prison pour les lanceurs d'alerte. Une telle loi serait évidemment une profonde menace pour la liberté d'expression. On voit donc là l'importance de créer un cadre législatif pour encadrer et protéger ces travailleurs et travailleuses. Alors, dans notre DPC, il est écrit que le gouvernement consacrera la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte en assurant la protection du fonctionnaire qui dénonce de bonne foi des faits répréhensibles au sein de son administration pour rendre ce statut applicable au sein de l'ensemble des services publics de la Fédération, à l'instar de ce qui a été adopté au niveau de l'administration fédérale. Donc, mes questions sont les suivantes. Où en est la création de ce statut de lanceur d'alerte pour notre Fédération? Quels seront les critères pour bénéficier d'un tel statut? Et comment, finalement, la protection des personnes sera assurée? Et quelle concertation est prévue sur cette question des lanceurs d'alerte au-delà de notre entité, avec les autres niveaux de pouvoir notamment? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Madame Deray. C'est à vous, Monsieur le Ministre Président. Merci, Madame la députée. Vous faites mention de la déclaration de politique communautaire, donc je ne vais pas la réévoquer. Par ailleurs, la directive 2019-1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union instaure un système de protection des lanceurs d'alerte, que ce soit aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La Belgique doit transposer cette directive pour le 17 décembre 2021 au plus tard. Cependant, la Belgique n'a pas attendu cette directive européenne pour agir en la matière. De fait, au niveau fédéral, la loi du 15 décembre 2019 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel prévoit d'ores et déjà un système de protection pour les agents dénonçant un abus ou une fraude au sein de l'administration. De plus, la loi du 8 mai 2019, modifiant la loi du 15 septembre 2013, a renforcé les mesures de protection à destination des fonctionnaires lanceurs d'alerte.
Du côté de la communauté flamande et de la communauté germanophone, un système comparable à la loi du 15 septembre 2013 a été implémenté, confiant la compétence aux médiateurs. Il en est de même en région bruxelloise. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le code de déontologie des membres du personnel des services du gouvernement de la communauté française et de certains organismes d'intérêt public institue un processus de dénonciation en permettant à tout agent de saisir la commission de déontologie d'une plainte en cas de suspicion d'un manquement aux règles déontologiques par un agent. Cependant, le code de la déontologie ne prévoit aucune mesure de protection à destination des fonctionnaires lanceurs d'alerte. Raison pour laquelle le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de revoir le dispositif pour mieux rencontrer cette protection légitime. Dans ce cas, le médiateur commun à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Région Wallonne a fait savoir que son service pourrait en effet se voir confier cette compétence à l'instar des dispositifs fédéral et communautaire flamand et germanophone. Un projet d'arrêté adopté en première lecture par le gouvernement wallon le 21 février 2019 va dès lors en ce sens. En effet, ce dernier prévoit l'institution d'un canal de signalement externe logé au sein des services du médiateur commun à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Région Wallonne, mais cela nécessite également une modification de l'accord de coopération du 3 février 2011. C'est pourquoi des contacts sont en cours avec nos collègues wallons afin de faire avancer ce dossier prioritaire. Je vous remercie pour votre attention et votre intérêt sur cette question. Merci. Madame de Ré, je ne pensais pas vous troubler, mais je vous rends la parole pour votre réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour tous ces éléments. Et je trouve que le fait d'avoir recours comme ça à une personne externe, etc., et une collaboration entre les niveaux de pouvoir est vraiment crucial et plutôt important. L'actualité nous le montre souvent, et c'est vrai que dans notre fédération, jusqu'à présent, on a peut-être eu peu recours à ce type de profil, mais ça reste quelque chose d'important et à bien prévoir. Et donc, je suivrai avec attention ce dossier et je vous remercie pour tous vos éléments. Merci. Je vais maintenant céder la parole à Madame de Coster-Bouchot pour sa question sur le 17e sommet de la Grande Région. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, le 20 janvier, donc c'est vraiment tout récent, le 17e sommet des exécutifs de la Grande Région a eu lieu sous forme de vidéoconférence et le président Tobias Hans a souligné l'importance de la coopération transfrontalière et de la solidarité en Grande Région partant de crise en disant, et je le cite, « La coopération transfrontalière peut sauver des vies. En effet, de nombreux patients atteints du COVID-19 ont ainsi pu faire l'objet de transferts internationaux vers différents hôpitaux, qu'ils soient de France, du Grand-Duché, de la Rhénanie-Palatinat en Sarre, mais aussi dans d'autres Länder. » Alors, dans ce contexte, Tobias Hans a dressé le bilan de la présidence sarroise du sommet, qui avait une durée de 2 ans, 2019-2020, et qui a mis l'accent sur la proximité avec les citoyens et la participation. Évidemment, avec la pandémie du coronavirus, les projets participatifs ont été quelque peu difficiles à mettre en œuvre, mais avec les nouveaux moyens, il y a des échanges nouveaux et créatifs qui ont été favorisés au sein de cette grande région. Ils ont donc déclaré une déclaration commune dans laquelle ils réaffirment l'importance de la coopération grande régionale et ils conviennent de l'approfondir davantage parce qu'ils considèrent que la grande région est un espace commun futur pour le développement de nouvelles stratégies en relation avec les défis actuels, que ce soit dans les domaines de l'environnement, du climat, de l'énergie, de la technologie, de l'agriculture et de l'alimentation. Alors aujourd'hui, ce de la grande région s'est conclué par la passation à la présidence française du sommet, qui va l'animer pour les deux prochaines années, sous le slogan « La grande région, carrefour de l'Europe, un espace innovant, résilient et solidaire ». Alors, Monsieur le Ministre Président, je voudrais savoir si vous pouvez nous donner déjà quelques précisions sur les priorités du partenariat transfrontalier en matière de formation, de culture et de numérique pour les
deux prochaines années. Quels sont les messages, j'aurais peut-être dû commencer par ça, que vous avez portés lors du sommet, et qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires en termes de coopération dans le cadre de la Grande Région? Je vous remercie. Merci, Madame de Coster. Monsieur le ministre-président, c'est à vous. Merci à Madame de Coster de me permettre de faire le point sur le 17e sommet des exécutifs de la Grande Région qui a eu lieu le 20 janvier dernier sous forme de vidéoconférence. Pas toujours évident, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, comme ce n'est pas toujours évident de vous répondre à distance. Je préférerais vous répondre de vive voix et en présence physique, mais voilà, y compris ces sommets qui ont lieu par vidéoconférence. Mais bon, voilà, ça permet en tout cas de faire quand même le point et d'avancer. Et lors de ces sommets, vous l'avez dit, sont adoptées des déclarations communes qui font office de feuille de route stratégique pour les deux années suivantes. En 2021-2022, la présidence sera assurée par le Grand Est et son président Jean Rottner. L'objet de notre réunion était l'adoption de la nouvelle déclaration commune du sommet et donc la définition des priorités futures. Bien évidemment, le document fait la part belle à la pandémie du Covid-19 et à ses conséquences, qui se reflètent en particulier dans les régions frontalières. Dans ce contexte, un accent particulier est mis sur la préservation de la libre circulation transfrontalière et sur un engagement de chaque partie au niveau européen et national afin que la particularité des régions frontalières soit mieux prise en considération. De plus, il est convenu de pérenniser l'échange numérique tant au niveau politique entre exécutifs du sommet qu'au niveau opérationnel entre nos administrations et services respectifs. Ainsi, il est prévu de renforcer les compétences professionnelles, interculturelles et linguistiques des jeunes de la Grande Région afin de répondre aux enjeux du marché du travail transfrontalier et de sa mutation. Enfin, la déclaration commune entend assurer la résilience des secteurs culturels et de l'événementiel, lesquels ont été particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Ce sommet m'a permis de porter certains messages auprès de mes collègues. Ainsi, j'ai souligné combien les projets à l'échelle de la Grande Région doivent être un tremplin pour en mener à plus grande échelle au niveau européen. Le projet IPOP, soutenu d'abord par la Grande Région et qui a ensuite pu être introduit auprès du programme Europe Créative, en est un parfait exemple. J'ai tenu également à relever le bel effort de l'ASBL Espace Culturel, qui, en vue de soutenir le secteur culturel pendant la pandémie, a lancé un concours d'idées sur le thème de l'innovation artistique, devant permettre aux acteurs culturels de travailler au-delà des frontières et de recevoir une aide financière. Enfin, concernant la future coopération avec nos partenaires de la Grande Région, il est important que la Grande Région prenne sa place dans la relance, et ce via au moins deux biais. Premièrement, via Next Generation, puisque les projets transfrontaliers et multipays sont considérés par la Commission comme essentiels et prioritaires pour la relance et le renforcement de la résilience de l'Europe. Des projets phares concernant la culture, l'enseignement supérieur ou la mobilité étudiante peuvent naître dans notre espace grand régional en ayant une plus-value commune importante et un levier de relance précieux. Secondement, via le futur programme Interreg Grande Région 2021-2027, dont la stratégie doit axer notamment les priorités sur l'innovation, l'accessibilité au marché de l'emploi, mais également sur le soutien aux projets culturels. Vous le voyez, Madame la députée, vaste chantier, vaste débat, mais je pense que ce sont absolument des relations qui sont importantes, et notamment par la situation spécifique d'une région transfrontalière dans le cadre de la pandémie, quand on parle ou quand on évoque la fermeture des frontières. Je veux vous dire qu'autour de la table, il n'y a pas un représentant d'un gouvernement qui trouve, je veux dire, cette idée bonne pour beaucoup de raisons, des raisons bien évidemment économiques, des raisons, je veux dire, de contacts familiaux et autres, mais aussi des raisons de santé publique. Et on a pu aussi voir aussi la solidarité parfois entre les États, notamment par rapport à la capacité dans les hôpitaux et le transfert de patients d'une région à l'autre. Donc, vous aurez compris que j'accorde beaucoup d'importance à nos relations et au sommet qui apporte ce type de dossier. Merci, Madame de Coster-Bouchot. C'est à vous pour votre réplique. Merci beaucoup, Monsieur le ministre-président, pour ces réponses. Vous m'avertirez le mot de la bouche, parce que j'allais vous dire, mais quel vaste chantier. Effectivement, les priorités que ce sommet a établies sont vastes.
mais sont vraiment très importantes pour cette grande région. Et je dois dire que de vous avoir entendu réitérer avec l'ensemble de vos collègues cette importance du libre-échange et de la libre circulation entre les différents espaces transfrontaliers, ça me semble crucial, parce que s'il y a une aide dans le rapport qui était, que j'ai lu, s'il y a eu une grande solidarité au niveau des échanges entre les hôpitaux, on a vu que quand même les mesures qui étaient prises au sujet de la pandémie de façon différente dans des régions transfrontalières pouvaient poser pas mal de problèmes pour les citoyens et j'imagine également pour les exécutifs de ces régions. Donc, je vois que tout ça fait partie des discussions et je me réjouis aussi de l'importance qui est donnée au secteur culturel et événementiel. Donc, vous avez cité différents projets phares. Je ne manquerai pas de continuer à m'intéresser à cette question. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame de Coster-Bouchot. L'ordre du jour est épuisé. Par conséquent, la séance est levée. Je vous remercie. Merci. Au revoir, bon après-midi. Au revoir, bon après-midi.